Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sacré-Gay-Gay! Hey, salut! Là, ok, c'est ça que tu disais, c'est ça que t'as dit, sexe illégal. Okay? Sexe illégal! Mais c'est ça, il y a juste toi, pas j'assumais que c'était nous autres qui s'en venaient, mais j'étais pas sûr 100%. Il y a juste toi qui nous appelle sexe illégal. Qui nous appelle? Pourquoi? Les bookers. Je sais pas. Mais puis il y a plus personne qui nous appelle de même, parce qu'on est rarement ça, puis même quand on est ça. Mais c'est parce que dans les Golden Classics, c'était ça. C'est ouais? Ouais. Tu disais sexe illégal? Ouais. Parce qu'on n'était pas tes amis encore. Non. Non. Quand est-ce qu'on est devenu tes amis? On est-tu tes amis? Oui. OK, OK. Non, ça, c'est bon de valider ça live parce qu'après, on a des preuves. Ouais. Vous vous souvenez aussi quand vous changez de chandail entre chaque épisode? C'est arrivé, ça. L'instant, ça arrive, mais en couche parce qu'il fait chaud. Ouais. Puis là, les spots au deuxième, je fais pourquoi j'ai gardé un manteau ou je sais pas. Je suis beaucoup plus blasé qu'au début. Oui. Mais ça, c'est la vie. Puis moi, je riais de l'autre. J'avais comme, voyons aussi, pourquoi vous changez de linge? Tout un nouveau kit, comme une vraie carte de mode. Non, mais nous autres, on est stressés. Ouais. On n'a pas assez fait de télé. C'est ça. Tout est habitué. Mais non, mais en télé, on change tout le temps de linge. Là. Ben oui. Puis là, moi, j'étais comme liberté, enfin, je peux garder le même. Ah, c'est ça. Nous autres, on était comme, on va tout montrer. Mais 8 chandails. Ouais, c'est ça. Vous en avez 20, là. 20. Ouais, mais il y en a la moitié, c'est des t-shirts de sexe illégal que quelqu'un a printé pour moi, les pochettes. Moi, la moitié de mes t-shirts, c'est Mobilo, là. Aussi. Ouais. C'est ça. Fait qu'à un moment donné. Le free stuff. The free stuff. Free stuff. C'est volé dans boîte. Kind of free stuff. Ouf, quelqu'un l'a payé. Là, mais... Il y a quelqu'un qui a payé, puis c'est une organisation qu'on était dedans. Ouais. Fait que vous n'êtes pas versé l'argent, c'est un peu ça. Fait que vous le payez finalement. C'est ça. Oui, mais c'est juste, je le vois pas que je le paye. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que j'ai plein de t-shirts d'une valise dans le sous-sol, JF. Plein, hein? Restes-tu des extra larges? Ou... Oh, surtout. Ouais, oui, il en reste beaucoup. OK. Il en reste-tu? Oui, oui. Ah, oui. Je n'avais pas. Moi, je n'avais pas. Pris. Pas beaucoup, mais le problème, c'est qu'ils sont blancs. Il y en a des blancs. Il y a des oranges flash. C'est vrai, il y en avait des oranges flash. Il y a des bleus, des t'aimes pas ça, blanc? Mais c'est parce que moi, un spaghetti, c'est fini. Là, Une bouchée de hot dog, plus de chandail. C'est vrai que tu as comme la nourriture dangereuse. Ouais. Mais je pense que j'ai compris pourquoi. On dirait que tu évites qu'il y en ait dans ta barbe. Là, fait qu'il y en a ailleurs. C'est ça. Ouais, ben je pense aussi si je mange de même. J'ai l'impression. La méthode épagnole. Ouais. Comme ma chienne. Je t'ai mis de la bouffe. Comment qu'elle va, Chacha? Elle va bien, là. Elle va bien. Elle est contente que le printemps arrive. Ah, mais elle est dehors. Ben là, on a une belle relation quand même, là. Puis elle fait beaucoup, beaucoup de chantage émotif, là, ces temps-ci. On a une belle relation, elle fait plein de chantage émotif. Ah, mais c'est drôle. Elle me regarde des fois. Moi, je manipule au bout. Non, puis, mais. On va se marier dans Elle est vraiment drôle, là. Elle pense que le monde, il y appartient, là, tu sais. Elle avance comme si les chars allaient arrêter, là, tu sais. C'est comme. Maintenant, elle a foncé dans une porte. Ça, c'était drôle. Mais quoi, en pensant qu'elle allait que la porte Mais il y avait comme une porte. On était en ruelle, puis il y avait une porte comme de cour. De cour en arrière en bois, tu sais, qui allait de même, qui faisait un peu avec le vent, tu sais. Puis là, elle marchait, puis elle n'a pas contourné. Ouais, bien, la porte était de même, puis la manette, elle a fait ça de même. Fait qu'elle est rentrée, elle a fait poing, puis elle a regardé la porte. Elle a fait voyons donc. Fait qu'elle a très confiance en elle, Chacha. Elle, là, elle pense que, genre, tout est correct. Mais Chris, imagine ta perception du monde à un pied du sol. Tu sais, à un certain moment, c'est pas la même. Tu joues pas la même game, là. Ouais, pis tu sais, comme elle a tout ce qu'elle veut tout le temps, pis tu sais, c'est ça, elle a jamais de problème, là. Fait que, c'est la vie de rêve, honnêtement. Ouais, pis si jamais ça marche pas, ben, je suis dans la maison. Tu sais, c'est vraiment. Je fais la même affaire, honnêtement. C'est ça. C'est ça, là. Si vraiment ça marche pas. Ouais. Elle est cute, mais niaiseuse, tu sais. Ben oui, mais... niaiseuse. Puis les autres chiens, tu vois, sont moins niaiseux qu'elle. Ah oui? Ouais. Tu remarques que... Tu trouves qu'elle est plus niaiseuse que les autres chiens? Oui. Basé sur des petites affaires de même. C'est comme t'es l'inverse d'un parent avec ses enfants. Ouais, son regard, il est vide. Tu sais, là? C'est vrai qu'elle a un petit look... Ouais. Mettons que... Même si t'es pas excellent, c'est pas elle qui s'occupe du calcul mental à la maison. Non, c'est elle a un petit look fin. Tu sais, comme tu vois, des fois, les autres chiens, il y a check, ils font comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? OK. Ah, bon. Tu le vois qu'il y a comme plein de réflexions. Elle est plus comme... elle doit être très imprévisible pour les autres chiens qui pensent à de quoi, mettons, comme c'est quoi ça? T'aimerais-tu ça être niaiseux de même?
comme un chien. Oui. Ce serait bon. Ah, ce serait le fun, là. Moi aussi, des fois, je rêve de ça. Ben, t'es comme un l'état. Tu sais, t'es un enfant, t'as pas besoin de travailler, là. Mais tu sais, mettons juste... chien à temps partiel. Peut-être pas full dog, là. Mettons juste. Mais ça serait peut-être un meilleur Vanilla Sky, tu sais, au lieu de genre. T'endormir puis te rêver, tu t'endors puis tu rêves, t'es un chien. Mais genre, mettons 6 heures dans notre vie, 6 heures chien puis 12 heures dodo. 6 heures chien, 6 heures toi, 6 heures 12 heures dodo. Ouais, mais ça pourrait être 6 heures dodo chien, 6 heures dodo toi. 6 heures dodo chien. Ben oui. C'est sûr, ça a l'air bon un dodo chien. Ils ont l'air. Ça a l'air. Ça, c'est un cauchemar, fait que c'est chill. Non, je pense pas qu'ils ont des cauchemars tant que ça. Je pense que. Ouais, peut-être qu'ils ont des cauchemars, ouais. Mais ils ont l'air de dormir, là, comme aussi rapidement, juste. Pis ça. Ouais, ils dorment 16 heures par jour, les chiens, hein. Ça, tu vois, je trouve que c'est enviable. Oui, mais c'est leur système. Dormir, c'est the best. Là. Oui, dormir, c'est cool. Dormir, c'est excellent. Ouais. Tu dois pas d'argent quand tu dors. Tu fais rien. T'as tout. Oui, c'est vrai que tu peux tout. Goûter du spaghetti. Ouais. Tu peux tout. Tout se passe ici. Dans le fond, t'aimerais ça être connecté dans la matrice pour vivre des expériences. Là. Ouais, peut-être. Tu veux comme être le gars là, qui mange son steak et puis veut retourner dans la matrice. Là. Dans le 1, là. Mais en même temps, je suis plus d'un rebelle, moi, quand même. Je suis pas tant un bootlicker, là. Oui, non, mais c'est parce que, tu sais, genre, y a-tu un avantage à être dans comme de le rêve? C'est parce que tu disais justement être un chien, ça serait le fun, on n'aurait pas besoin de rien faire. C'est ça, mais si la matrice était être un chien, je dirais OK. Ouais. Puis le programme, c'est probablement plus simple là, à gérer. Peut-être, ouais. Peut-être. En plus. Tellement simple être un chien. Un parc. Ouais. C'est ça. Un abreuvoir à basse. Des odeurs de pipi. Ouais. Un enfant en caoutchouc. C'est tout, là. Ouais. Là, elle mange beaucoup de petites cochonneries à terre tout le temps. Là. Ben, c'est pas toi qui es pitch, là. Non, elle mange les vidanges. En dehors. Elle mange les vidanges, machin. Tu la laisses faire? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu calisses, là, tu sais, genre, arrête de faire d'avoir des conversations avec. J'ai dit, Chris, je suis capable de. Genre, tu veux du pain, t'en as. Tu veux des affaires, t'as tout ce que je mange. Pourquoi tu manges les astis de vidanges? Parce qu'elle les a pas, ça. Ben oui, mais si tu me le dis, que je vais te l'acheter, ça. Je vais t'acheter un vieux Kleenex. Mais non, mais elle mange genre. Je vais t'acheter un. Elle mange genre, tu sais, des bouts de pain, des bouts de viande, des affaires qui traînent, des os de poulet. Puis je suis comme. Dude, on commande nos bénis à toutes les semaines, t'en as. De ce petit poulet. Puis il est meilleur. Hein? Mais oui, il est frais, puis tout. T'as tout l'angle de même. As-tu essayé d'y enlever un os de poulet de la gueule? C'est ça, c'est comme. Oui, ça fait ça. Ah, oh, c'est tough. Ah, oh, ouais, hein? Ah, oh, ouais. Ouais. C'est genre. Gollum, là. Ah ouais, là, ça peut t'arracher un bras, là. Ah ouais. Impossible à ouvrir, là, comme c'est à moi! Je vais m'étouffer avec! Ouais, c'est ça. Tu pourras pas m'empêcher! Hey! Va t'en crisser une! Ah ouais, vraiment. C'est comme, c'est comme si on avait un enfant de 6 ans qui était capable de te péter à la gueule, tu sais. Parce que, tu sais, il peut te faire du dommage, le chien, là. Il est capable de te mordre, puis. Mais quand même, chacha, honnêtement, Jeannoc, là. Comme, honnêtement! Genre, je dis pas, elle m'a m'a un peu blessé, mais moi, comme j'ai cassé le cou, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui. Elle a mordu quelqu'un qui est tombé sans connaissance. Fait que ça peut mordre fort en tabarnak un chien, là. Mais c'était qui, ça? c'était son ancien propriétaire. Il avait quel âge? 35. Puis il a perdu connaissance? Oui, parce que. Il a mordu où? Hey! C'est fort en tabarnak, une mâchoire de chien, là. Une mâchoire de chien. Avez-vous vu, Chacha? Ouais, ouais, mais c'est pas non plus. Non, mais je dis pas. C'est juste que sa bouche est petite, fait que les dents sont petites. Non, mais ça pince, c'est sûr, c'est pas le fun. Non, ça traverse la peau, là. Oui, c'est fort, mais c'est juste, c'est petit, fait qu'il y a comme un. C'est sûr qu'elle te pogne, mais après, comme. Non, mais d'après moi, c'était plus un choc vagal qu'il a fait, là. Genre, il a paniqué. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait volé un os. Je pense qu'il a taquiné, genre, ouais, peut-être, c'est ça, ça se pourrait, là. Il avait boulié Chacha, il a mangé. Ouais. Moi, ce que j'apprécie dans cette attitude-là, c'est que, genre, les chiens, c'est nice, t'sais, ils ont la même attitude que, mettons, les riches avec leur Lamborghini, mais avec un os de poulet qu'ils ont trouvé à terre. Tellement mieux pour la planète. Si on était capable de triper ces vidanges, qu'est-ce qu'on aurait toutes? On a rien que ça, des hosties de vidanges, partout. C'est vrai! Pense à juste nous autres sites, là, combien de vidanges qu'on a fait cette semaine. On n'a pas de bon sens. Oui, oui. Moi, j'ai pas été ici de la semaine. Oh non, hein? Non. Mais tu sais, comme au moins, toi, tu fais combien de sacs de vidanges par semaine? Un gros, gros, là, mettons. Là. Genre, mais non, même pas. Genre, un petit sac de vidanges, là. T'as une minute, là. On est passé d'un gros, gros à un petit. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est parce que t'as pas le choix de le mettre. La ville, il peut pas mettre les sacs blancs sur le bord de la rue. Fait que là, faut que tu mettes un gros. Ouais. Fait que là, je mets les petits dans le mais gros. Mais il est pas plein. Ben oui, c'est ça. OK. C'est niaiseux, ça. Ben ouais. Oui. Parce qu'à un moment donné, on faisait juste. Parce que nous, on a une poubelle. Mm-hmm. Tu sais, notre condo, mettons, j'ai nos trois. On a une grosse poubelle, puis on mettait les sacs blancs. Ils les enlevaient, puis ils les laissaient à terre. Ah, oh, ils prennent pas. J'étais comme calé. On les a mis dans la poubelle. Tu sais, c'est comme pourquoi tu.
je comprends pas la règle. Il faisait de la, il faisait comme du chantage psychologique. Ben, c'est trop compliqué, ça. Là, oui, puis là, si j'ai caché, tu sais, je mettais les blancs, je mettais un noir par-dessus, puis j'étais comme, mon tabarnak, tu m'auras pas. Puis t'avais-tu pareil? Mais non, ben oui, il checkait, il les enlevait. Il checkait? Puis là, un moment donné, parce que là, j'ai remarqué l'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue, ils en mettent plein des blancs, eux autres, ils s'en foutent. Puis ils ramassent pareil. OK, t'as juste un zélé, là. Oui, fait que là, j'allais l'autre bord porter mes blancs. Hey, j'aimerais ça le pogner. Tu sais, ouvre ta fenêtre avec ton café. Hey! Hey! Tu fais là, toi, avec ton sac, l'autre bord! Fait que c'est mais ça. J'aimerais quasiment ça que la ville fasse ça comme ding dong, pas le droit de jeter ça. Regarde ça chez vous. Ouais. C'est mardi, les gros déchets, puis ils pitchent les planches dans ta maison. Comme, ah ouais, gère tes affaires au bon moment. Aïe, aïe. Ouais, fuck off, il rentre la laveuse. Ça, c'est mardi. C'est vrai. Début du mois, ding ça. Dong, okay? Ouais. C'est vrai. Ça, c'était du compost. En Allemagne, il y a ça, il y a des inspecteurs de vidange qui fouillent et qui te donnent des amendes. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, ça doit être une belle job. Hein? Ouais. Un autre sac à investiguer ce matin. Mais théoriquement, nous, à Montréal aussi, c'est ça. S'ils nous surprennent à mettre du compost dans les poubelles, on peut avoir une amende. C'est juste qu'il n'y a personne qui peut te surprendre. C'est ça. Une personne. C'est ça, il y en a comme juste une. Mais attends, quand tu dis mettre du compost dans les poubelles, là. Ouais. Tu veux pas, tu veux dire, mettons, mettre des trucs qui peuvent faire du compost dans les poubelles? Oui, pas oui. Des résidus alimentaires. Oui, ouais, tu peux avoir une amende. Ah oh, ouais. Ouais. Tabarnak. Ouais. C'est le fun, hein? Je feel criminal this week. Ouais. Imagine, t'es ça, là, t'es cherche dedans, puis à un moment donné, c'est comme « Ah! Ouais. Banane! » Là, j'ai vu une publication qui disait qu'il y avait une genre de compagnie alimentaire qui, elle, a garoché tous ses surplus dans les poubelles, puis il n'y avait pas d'amende, ça, tu sais, il n'y a jamais d'amende pour ça, toutes les épiceries qui garochent toutes leurs affaires qui sont comme pas vraiment passées date, mais non, sur le bord. Non, c'est ça, puis ils parlent leur container c'est en ça. Plus. Moi, je peux avoir une amende, mais... C'est pas vrai qu'on va donner ça à du monde qui en a besoin. C'est ça qui est weird. Nous autres. Ouais, ça, c'est weird, ça. On va laisser melon pourrir, ouais. Par principe. Après, ce qu'eux autres, ils disent, si on les donne, les gens ils vont aller dans les banques alimentaires les chercher gratis, ils ne viendront plus les acheter. C'est ça. Parce que pourquoi tu paierais pour quelque chose pour avoir gratuit? Moi, je te le dis, tout le monde cher. Qui a de l'argent va vouloir payer pour pas manger à la même place que les pauvres. Mm. Anyways, fait que si les pauvres mangent dans les containers, tu peux être sûr qu'il n'y a personne qui fait de l'argent qui va se priver d'acheter un melon. Non, on fait cher. Une banque alimentaire, mais comme VIP, là, tu sais. Avec de l'agua des melons. Aïe, je m'attendais tellement pas. Des petits bruschetta. Ah ouais. Des petits bruschetta. Tu sais, là, le genre. La bruschetta. La bruschetta, le menu du jour. Tu sais, là, genre, c'est dumpster diving, mais chic. Chic. Ça, upper dumpster futur, diving. Ça, ça pourrait être le genre de resort ou de jeu là, que des gens avec beaucoup d'argent font. Tu fais, hey, c'est le fun. Tu sais, aller à on la fait place, comme là, on dumpster comme, dive notre souper. Ouais, j'ai trouvé des riz de veau. Wow! Manger, c'est une aventure. C'est on met des chapeaux, là, j'avais jamais des lampes de poche. Ça, c'est sûr. Dumpster diving de luxe. Ça serait bon, ça, comme concept. T'sais. C'est comme genre... T'as comme un grand chef réputé, tu sais, puis là, on va dans les poubelles des restaurants chers, puis on se fait un repas avec, tu sais, le... Ça, c'est très prochainement. Hey, j'improvise! C'est une bonne idée, ça. J'aime ça, moi. Non, c'est très prochaine vague en cuisine. Oui. Je préfère ça, là, Anthony Mousseau. Là. Mais oui. C'est ça. Le dumpster diver bus. Puis, genre, tu pars en bus dans le vieux port. Puis, on ramasse ce qu'on peut d'invidence. Puis, il te le fait sur un grill. Oui. Hein? Ça coûte 1000$. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est lui qui conduit le bus. Mais oui. En plus. Oui, il fait tout. C'est fou, ça. Hey, ça, je veux ça. Hein? On est genre quatre d'une ruelle, puis il est là, puis il nous fait des crevettes de même. Genre, wow. C'est c'est le fun parce que le menu change à tous les jours. Oh, ouais. On ne sait pas c'est quoi qu'il va avoir. Là. Non, c'est ça. Ouais. Des fois, même, il y a des intoxications alimentaires. Ouais, donc, ouais. Ça peut. Là. Ah, mais il fournit les gants. Il fournit les gants. Pour fouiller dans les dents. Mais oui. C'est une immersion. Mais ça, je suis tellement tanné d'ailleurs, de cette cuisine-là là, qui s'est quand même répandue à Montréal. Là, genre, tu sais, les tapas over. Là. Ouais. T'sais, comme tu commandes, puis là, t'as une asperge glazée avec genre du chocolat dessus. Pis ça, c'est l'entrée, puis c'était 29$. Puis là, ils font, non, mais ça met l'asperge en valeur. Puis là, tu fais, ben, oui. Oh ouais. En même temps, c'est pas parce que c'est tout nu que ça met en valeur quelque chose. C'est même pas parce que c'est pas bon. Des fois, c'est bon. Il y a un certain talent là-dedans, mais je trouve que c'est quand même une idée bourgeoise de tellement se crosser dans. Êtes-vous juste capable de faire des bons plats? Puis c'est bon, on mange, c'est bon. Ouais, mais on dirait que cette cuisine-là, le proto-futuro-fusion, je suis comme, je suis plus capable. Ouais. Arrêtez de faire ça. Ça, c'est une déclinaison de navet. Ah, OK, non, mais laisse faire. Là, c'est plus vraiment ça. La mode maintenant, c'est les plats partagés.
Fait que là, ils vont t'apporter comme genre. Ça, c'est parce que ce monde est pauvre, Jean-François. On achète un nacho à deux. Ouais. Non, mais tu sais, ils vont. Ça s'appelle souper ensemble. Non, mais ils t'apportent un plat partagé, puis là, tu sais, tout le monde pige dedans, puis tu sais, c'est quand même une bonne portion, pareil, mais pas tant que ça. Faut t'en commander plein, là. Puis c'est comme ça la nouvelle mode. Tu sais, comme l'asperge, là, juste une asperge avec des feuilles d'or. J'ai pas vu ça souvent, là. Il y en a, là. Oui, mais tu sais. Genre le Château Frontenac, la place qu'on va jamais manger. Oh là, my God! Château Frontenac. Mais oui, mais ça, c'est pénible, le Château Frontenac. C'est un endroit un peu bizarre. Ouais. C'est comme le Disney World de Champlain. Tu sais? Ouais. Comme... Les activités sont full poche. C'est super plate. Ben ouais. On dirait que le seul manège, c'est faire parquer son char. Genre, ouais. L'ascenseur. Les portes. Ouais. Ouais. C'est ça. Les chambres avec des shapes de marde, avec une fenêtre genre là. Ouais, est-ce que c'est mal fait, c'est hein? Cœur, ah, hein? Ouais, 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 c'est ça. Charles de Gaulle a déjà été ici! Ouais, il a fait ça. Caca là-bas! Wow! Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça, honnêtement. Ouais. Mais c'est toujours la place weird de descendre dans le sou. Tu sais, tard le soir, fumer un bat, puis là, il y a un monsieur habillé avec un sou. Ouais. Là, t'es comme, hey, je peux pas fumer ici. Il y a trois hummers. Ouais, imagine ta job. Lui aussi, il est batté raide, arrête. Là, le gars que le costume à 3h du matin. Là, j'ai dû y parler, je m'en rappelle plus. Mais oui, il est batté à l'os. J'espère qu'il est batté. Moi, je prendrais jamais une job où ce qu'on me demande de m'habiller en 1760. Sans ça être serait malade sur les edibles. Avec un chapeau, là, un genre de, je sais pas quoi, de tricorne. Comme, j'en ai-tu besoin pour parker les chars? Non, ben j'en mettrai pas, là. C'est pas... C'est hot, on va s'habiller d'époque, à l'époque où il n'y avait pas de chars, ouais, pour parker les chars. C'est vraiment cool. Les valets du Moyen-Âge. Ouais. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? Cocher, veuillez stationner cette Tesla. Ouais, ouais. Ce qui est hot, c'est qu'à cause de ça, on dirait qu'ils te chargent 40$ pour parker ton char. Là, t'es comme, hey, yo, je pense que je vais le mais en même temps, moyen-âgeux, pantoute, de ne pas avoir le droit de pisser dehors. Mais dans ce bout-là, c'est tough, parker son char. C'est vrai. C'est effectif, genre, ça vaut 40$, bien honnêtement. Hey, c'était tough, là, des fois. Mais là, ils nous fournissent, c'est ça, ils nous fournissent la chambre, mettons, avec Comédia ou quelque chose comme ça. Mais là, t'arrives là, t'as un petit cachet parce que tu fais juste un show, puis là, tu réalises que juste laisser ton bazour tout rouillé, il y a un gars en habit qui le prend, puis c'est 40$. C'était comme, aïe, aïe, je le vois rentrer avec son sou dans mon char, tu sais, qu'il va revenir, puis il va avoir une tache de chocolat en arrière du manteau, c'est sûr, là, genre. Full de cendre. C'est, c'est terrible, là, genre. Ah ouais. Oups, c'était ça dans le cendrier, mon chum! Hey, oh! Ouais, c'est ça. Chris, pouf! Ça va, là, il part, tu sais. Ouais. Là, t'as l'impression que tu reviens dans deux jours, tu donnes l'étiquette. C'est, oh non, je le sais, monsieur, c'est quelle votre voiture? Je sais, on s'en souvient. On en a parlé. Ouais. On l'a mis dans zone rouge. On a parlé au meeting. On a parlé au meeting. On a appelé la police. Mais. À un moment donné, on pensait qu'il y avait de la drogue dedans, mais non, c'est juste que ça sentait bizarre. Ça sent... Hey, mais nous, au Château Frontenac, ils ont appelé non, dans le château. Hôtel. Ah oui, oui, oui. C'était pas au château. C'était pas au château. Au Château Laurier. Ah, c'était-tu au château? Genre, c'était comme au. En tout cas, whatever. Mais me semble, non, mais pour vrai, j'ai un vrai souvenir au Frontenac. Non, c'était une autre affaire, pas un nom court, là, un peu moderne. Tu sais, il appelle à la chambre, tu sais, comme le téléphone sonne dans la chambre. Si, je suis comme, what the fuck? Je réponds, c'est comme, oui, bonjour, il y a des gens qui ont appelé, ça a l'air que vous fumez du pot dans votre chambre. Puis je suis comme, non. Non. J'ai pas fumé de pot dans la chambre, tu sais. Puis là, ils sont comme, ben, ça sent vraiment sur tout l'étage. Je suis comme, c'est juste mon pote, il est bon, monsieur. Hey, oui. C'est vraiment mon pote, je peux descendre à la réception, te le montrer. Non, non, mais votre pote, il s'en fout. Oui, mais le weed était dans des. Dans une boîte. Mais c'est ça que je dis, dans ça, mon sac. Ça n'a pas rapport à ce puis sur l'étage, le monde était comme, je suis gelé. Je suis pas bien, là. Oh, Maurice, tiens-moi. Voyons donc. Il y a des jeunes. Excusez, madame, j'appelle en bas parce que là, ça sent bon en haut. Ben non. Mais moi, j'étais comme, regarde, on va là, être vraiment. Moi, j'ai dit au monsieur, on va être honnête, là, tout de suite. C'est comme, moi, je te dis, j'ai pas fumé, mais c'était pour nous donner une amende de 300$, je vais fumer. Là. Ouais. Comme rendu là. Oui. Va y aller. Tu pensais que là, ça sentait. Ouais, allô. Hey, si tu veux me donner l'amende de moi là au début du séjour. Tout de suite. C'est ça, parce que ça va sentir pendant un mois dans la chambre. Oui, ça va sentir. Ouais, ouais. Mais finalement, ça avait été correct. Je pense qu'il y avait constaté. On avait fini avait par mettre bon ça pot dans le frigo, oui, l'autre boîte dans mon char, ouais, c'était genre moins 40. On a-tu donné tous nos meubles du studio? Oui. C'est sûr que la personne qui a pris ça, tu ouais, ouais. Sacrément. Moi, j'avais laissé un case pour mon piano, genre. Ouais. Genre, je l'avais laissé au deuxième étage. Ouais. Je l'ai ramené dans la maison, ma blonde est rentrée, puis elle a fait, t'as-tu fumé en dedans?
Hey, je m'en suis tellement rendu compte encore plus quand j'ai tout, on a tout déménagé et tout. Mais en même temps, il y a peut-être une personne avec une situation financière précaire qui va trouver une 5 de potes dans un coussin. Apparemment, il pourrait fumer le coussin et puis ça marcherait là, peut-être, mais... C'est comme... sacrament. Il y a de la résine, là. Roule-toi à housse, mon chum. Ah oui. S'il n'y a pas juste des pets là-dedans, mon chum, non. Non, c'est vrai que ça a pas fait un peu... Oupelay! Non, mais c'est ça, c'était dégueulasse. Après, on réalise que la machine, les filtres sont pourris puis que ça va pas dehors. D'air, ça fait juste... Ben oui, c'est ça. Fait que c'est un hotbox à longueur d'année, votre affaire. Ouais, mais un hotbox avec des champignons de... Mais un pas des bons champignons, genre des champignons d'humidité, de mur. Ouais. Fait qu'il fallait qu'on sorte de là, là. Oui. On a survécu. On a survécu. À fumer en dedans. Ouais! On est bon, hein? Yes, sir. Tu vois, c'est pas dangereux. Yeah. Non, c'est ça. Faites-les, les jeunes, il n'y a pas de problème. Si on le fait tout en même temps, ça va virer de bord. On a reçu un jeu amusant. OK. Je te mentirais de dire que ça fait pas 2 heures que je le regarde. Ben, gars, ouvre-les. Jeu amusant. Ça a l'air des allumettes. C'est peut-être comme ça qu'on meurt. Hein? Là, ça explose. Boum. On s'est fait avoir par jeu amusant. Vrai, on sait pas, c'est amusant pour qui? Écris ça sur ta bombe, c'est sûr, la personne l'ouvre. Jeu amusant. Ouais, c'est vrai. Tout le monde est comme, ben, pas de problème. Pow! C'est quoi? C'est des jelly beans! Mais avec un jeu... Des beans? C'est Bean Boozled! Bean Boozled! Caution! Contain weird and wild flavor. Ah non! Cette personne-là nous connaît tellement! Bean Boozled! C'est quoi les wild flavors? Mais moi, je pense qu'on regarde pas, puis là, on devine. OK. Oh my God! OK. C'est sûr qu'il y en a un au caca. Bon. C'est peut-être un peu élevé quand même au caca, je sais pas. Tu sais, me semble, tu veux que les gens rachètent, là. Ouais, mais tu veux vraiment y aller plus. Il y a un avertissement, c'est marqué caution, attention, là. Oh, mais gars, c'est ça, c'est pas toi qui choisis. C'est une taste roulette. Oui, mais c'est ça, mais moi, je pense qu'on y va. Une taste roulette. Oui, parce que d'après moi, il y en a un au caca, puis tu veux pas le manger. Hey, roulette. Non. Hey, toi, roulette. On y va en premier, pas roulette. Après ça, on va y aller roulette. Il y en a un au vomi. Tu vois? Bon, quelle bonne nouvelle. Ils vont peut-être tous être au vomi après. Qu'est-ce que t'as pris, toi? Le petit picoté comme un peu... Petit picoté brunard. Celui qui on le prend. Je vais prendre le bleu. Ah, le même? Ben, on pourrait. OK, attends, moi, essayer de le trouver. Le petit picoté brunard. Ça serait ça, comme ça. Non, il est trop pâle. Non, ça, c'est jaune, ça. Calice. Non, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ben là. Nous donne le même. Nous donne le même. Toi, trouve-le. Hé, s'il est là, lui. Hey, c'est 2 pour 1. Non, mais je l'ai trouvé un autre pareil de l'autre, en tout cas. Bon, hey, c'est ça. Pendant, tu vois, ça, c'est bon, les okay, trois c'est pareils bon, comme bon, ça. Bon, ben, on en a 3, là. Bon, j'ai jeté l'autre, là. Ah, là, regarde, moi, je le remets, là. OK. C'est bien compliqué, ce jeu-là. Ben oui, mais là, je suis pas habitué de jouer à des jeux. Il est là, il est là, G. C'est toi qui as tout fucké, là, en disant qu'on prend pas. Ben oui, mais la roulette, image. OK, on le goûte tout, celui-là. Go. Manche-moi-l'eau, ça. Ouais, ça, c'était pas mauvais, là. Mais non, c'était full bon, ça. C'était manche-moi-l'eau, effectivement. T'as okay. On va checker, là, Chris. Non, les saveurs sont en arrière. Ah non, sur le site, gars. Prendre légende. Ah, ils sont tous là. C'était Toasted Guimauve. Ah, c'est parce qu'il y en a un Sting Bug, c'est la même affaire. OK, comme ils sont pareils, mais... OK, mais là, ça veut dire qu'on a tous les trois pognés le bon. Oh, ça c'est dangereux, là. OK, le rouge. Ça, c'est dangereux. Le rouge, comme ça. Hey, man! Ultimate Rouge. Le rouge. Quel? Ceux-là, là? Le rouge. OK, le rouge, go. Oh, pelaire. Oh, ouais. Moi, je mange pas ça. Ça, c'était dégueu. Ouais. Ça, sais-tu, bon? C'était quoi? Old Bandage. Oh, wesh. Ah, c'est pas faux, en plus. Oh, man, ça goûtait le fond de piscine, ça. Voyons donc, j'ai failli dégueuler. C'est quoi, ça? Man. Ah! C'est vrai, c'est pas bon. En plus, bon. Quand tu le lis... De l'image dans la tête, puis là, je goûte le petit fond dans le milieu, puis là. Oh, OK, man, le genre de petit coloré bizarre hey, comme ça. Ça l'a pas enlevé, là. Aïe, ah, ça, c'était pas agréable, ça, là. OK, wow. C'est le petit rose de même. Non, ça, c'est le blanc bleu. Le fun, ah, ben, les gars, on peut prendre le blanc bleu de même. Il y en a un ici, là. Il y en a un ici. Un blanc bleu, tiens. Blanc bleu. Un blanc petit bleu. Okay. Ouh, ça, c'est pas bon non plus. Oh, il ment fort. Oui, mais. Pâte à dents à la peignot, mettons. Hey, ça, c'est pas une pâte à dents que j'achèterais. Mais tu y penseras. Ah, wesh. Y en a plus. Dirty dishwasher. Ouais.
Ah, oh, un peu. Ah, ouais. Oh, un peu. Le, oh, c'était oui. ça, le savon. Le, oh, oui. Oh. Comme le panier dans l'évier, là. Ah! Ouais. Ouais, le petit net. Ouais. Mouillé. Le petit net oh non, 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 non. Non, c'était pas bon. OK, le petit brun de même. Ah, oh, ça y est, on sait où tu t'en vas, toi. C'est l'enfer, mais le petit brun. 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 Ah. Ah, j'ai hâte que ça soit ah, bon. Ah, 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 ah. Non, non. Non. Non, non, non. Ça, c'est non, non, non. C'est quoi ça? Ah. C'est liver and onions. Oh, ben là, c'est ça! Oh. Ou cappuccino. Non, c'était ouais. liver and onions. Ça, c'était liver and onions. Oh. Oh, man. Un peu. Oh. C'est l'oignon qui gosse, honnêtement. OK. Ah oh, oui, l'oignon. L'oignon, c'est... il va pas là, là, tu sais. Tu veux pas l'oignon dans tes jujubes. Man. Deux secondes, G. OK, le petit, comme ça, le orange avec les orange, bouts rouges. OK, il y en a un ici, là. Orange avec les bouts rouges. Ça? Ah! Oh. Ça, c'est bon. Non, pas moi, c'est... en tout cas. Celle-là, c'est le vomi. Ah, celle-là, c'est le vomi. C'est dégueulasse. Check, c'est barf. Celle-là, j'ai fait exprès. Barf. Mais moi, j'ai pogné pêche. Oui, t'as pogné pêche, toi. Délicieux. Ah, si, j'ai eu une deuxième wave, man. Tu veux-tu réessayer un petit orange ou. Hey, tout le monde en même temps. Hey, c'est le pire bonbon qui reste pogné dans les dents. Tu trouves un petit chunk, tu le remâches, puis là, ça repart. Tu vois, OK, celle-là, le petit blanc. Attends, le petit blanc. Ben, ah, le vert, le vert. Mais là, non. Deux, le même, là. Le vert. OK, le vert comme ça. Le ouais, vert. Ouais, le vert. Le vert. Non. Non. Non, moi, j'ai pogné un bon. Yes! Ah! Ah, c'est moi, bon! J'ai pogné Juicy Pain. Ça, c'est crotte de nez. Ah! Hey, dans les deux cas, moi, je l'aime. Imagine-tu les testeurs de bonbons là, qui font comme ça. Goûte-tu à la crotte de nez, selon toi? Ouais. Ouais. Tu sais, imagine, ils viennent te chercher dans le bureau puis ils font « On a besoin de ton avis. toi, tu le sais. Viens-t'en. Qu'est-ce que ça dit, okay. Toi? » Ah, pas le fun, ça. Non, j'avais tellement hâte d'en pogner un qui avait de l'allure. Hein. OK, là, je pense qu'on n'a pas fait... OK, oui, le petit blanc comme ça, le petit blanc de même. Là. Blanc, blanc? Blanc, blanc? Blanc cassé. Blanc cassé. Une chemise blanc cassé. OK. Oh, wesh. Oh, wesh. Ça, c'est œuf pourri. Non. Moi, ça, c'est œuf pourri. Ouais. Ah! Oh. Ah! C'est moins pire. Non. Ben, j'aime les œufs. Non, mais non. Oh, mon c'est Dieu! Ah! Ça goûte... c'est pas bon, là. Ça goûte le pet. Ah oui, là, ça vient de péter, là. Fait que, on va faire circuler ça, si jamais vous oh, voulez. Ah oh, ouais! Avec la petite route, hein. Hey, mais je te dis, à date, moi, le ratio bon, pas bon. Il est rough. Mais c'est quand même un nice twist marketing, ça, de me vendre des affaires qui goûtent la marde. Faites juste très attention pour ne pas l'échapper à terre. Holy fuck! Ben, nous, il goûte déjà le vomi. Tu remettras dans la boîte, là. C'est pas un cheveu qui va changer quelque chose. Ah non, mais j'ai moi, juste j'ai pas un été conseil, capable. C'est ça se rend à vous. Ah, tu sais, faut pas se fier à première comme. C'est la première croque, c'est pas grand-chose. C'est la troisième croque, vraiment. Ah ouais. Qui est... Puis après, il est comme un exponentiel, que ce soit la lime ou les vidanges. Fait que ça fait ça la lime. Mais j'aime ça, il y a une part de danger qui est ajoutée dans les jujubes. Tu sais, il y a quelque chose. C'est surtout ça, parce que s'il n'y avait pas de part de danger, je vois pas pourquoi qu'on mangerait ça. Il y a un enjeu, tu sais, parce que c'est ça. Moi, les jelly beans, honnêtement, ça m'intéresse pas tant. Mais là... Ah. Ça rend le plaisir de voir. Ça va-tu super mal toi, aller? Les jujubes, t'aimes pas ça? Bouf. Je trouve que ça donne mal au ventre, puis c'est juste sucré. Quand t'en manges beaucoup, je trouve pas que ça goûte très bon, mettons. Je trouve, mettons, je suis pas prête à faire l'échange, le mal de ventre que ça donne. Ah oh, ouais, hein? Il est rendu là-bas. Ouais, tu sais, quand t'es mieux mort de napkin. Ouais, ouais, ouais. Que de juste finir ton stop. Oh, non, non. C'est qui a apporté ça, mon Dieu? C'est donc bien original. Oh, c'est gentil, en tout cas, merci. Wow, c'est un anonyme. Personne ou une anonyme. La personne de Dirty Jelly Bean qui se frotte les mains dans le fond. Si, hein? Aïe, aïe. Non, mais c'était cœur, hein, ça. J'ai apprécié ce moment. Ouais. Il en reste encore ici. Ouais. ouais. Des chiquets. Ils n'ont pas fini leur saveur. Ah, moi, j'ai pas eu le temps de tout susurrer ce qu'il y avait là-dedans. Puis, comment t'aimes ça? T'es revenu au terminal?
Ah, j'aime ça, c'est le fun. Ici, c'est la proximité qui a comme pas d'allure. Ouais. Tu sais, on dirait genre, je peux prendre une gorgée si je veux. On peut interviewer. On peut interviewer des poutines. Hein? Mais je pense que avant, on était assis beaucoup plus proche. Le stage était plus petit. Le stage était plus petit encore. Ah, c'est ça. Il y avait un trou en arrière. Oui, il y avait. Ça finissait en arrière, puis il était moins. C'est ça. C'est ça, il n'y avait pas de distance pour nous. Vraiment, si je m'étendais les jambes, mettons, là, je pouvais être dans la poutine de quelqu'un. Là, il y a un petit peu plus de place, mais ça reste que c'est une des salles de plus de proximité. C'est vrai. Ça a comme, c'est bon ça en même temps. C'est un des endroits où, si mettons, il y a un incendie, il y a plus de monde qui meurt. Oui, on est tous qu'on joue plus comme non, ça. Non, il y a des sorties de secours. Non, mais là, c'est juste par principe, on est plus tassé. On est comme, c'est juste une logique. Je suis sûr qu'en plus, un public de Tumonien, c'est vraiment comme ils nous apprennent de faire, là, tu sais. Ouais. Calmement, en rang, puis tout le monde sortirait dehors, puis ils prendraient les présences. On a tous les billets. Parfait, tout le monde. On s'en va chez Mr. Puff, puis genre, la soirée finirait bien. Il y a des points de ralliement, comme, on y va toute la gang, OK. Il y aurait juste Jake qui pleure, comme, ben oui, dans non, un coin, ça, là, c'est son bord vient de brûler. Non, bon, il dit, c'est pas grave, Jake, on va le faire ailleurs, le podcast. C'est pas grave. Reviens-en. Tu viens au Mr. Pop, on te laisse ici. Non, on souhaite pas ça. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup rénové pendant la pandémie. Et moi, je n'étais pas revenu. Puis c'est vraiment quand même, c'est slick à l'os. Maintenant, j'aime beaucoup ça. Oui, 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 c'est super beau. Regarde le petit néon là, comme ça ici. Mais là. Oui. Oui. Touchez pas, là. Touche pas. Ah, OK. Pas touché. Je me demande si Julien, parce que peut-être Julien l'a changé, puis il est écrit d'autres choses en arrière. Le Ferminal. Fun fact, avant de faire du montage pour Tumonien, j'étais surtout graphiste, puis c'est moi qui ai fait le logo pour le Terminal Comedy Club. C'est son genre. C'est comme un quignaiseux. Il fait une petite farce à lui tout seul, là, puis ça le ferait. Hey, les bonjours tout le monde, là. Oui. C'est mon affaire préférée. Ouais. Excuse-moi, aïe aïe. Moi, là, sur mon Twitch, le monde y arrive et ils disent bonjour. 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 Ça me permet de regarder le go 30 secondes puis en n'étant pas complètement découragé. C'est quand même fou que ça a coûté 20 000 $ ce podcast-là. Pour faire, combien d'épisodes? Bonjour tout le monde. Je sais pas. Il y en a sûrement quelques-uns, par exemple. Je sais pas. Je pense pas qu'ils tournent d'avance, vraiment. OK. Ben, ça a pas l'air tant préparé. Mais ce qui était quand même hot, c'est que Julien il a fait ça parce que c'est Julien, là, personne n'y a rien demandé. Puis il était avec ça, on trouvait ça bien crampant, fait qu'on était comme créé ça dans l'épisode. Puis là, on a mis ses réseaux sociaux, puis je regardais les partages de ça parce que ça a quand même levé. Oui. Puis il y avait beaucoup de commentaires dans les partages de gens qui étaient pas certains si c'était un montage. Hey, tabarnak! C'est quoi qui va pas, là? Hey, ça, c'est un moment calme. Non, mais. Tabarnak, mais tu sais, puis là, j'étais comme, arrêtez de vous inquiéter, Chris, avec les deepfakes, là. Non, non. Genre, il y a deux logos, puis vous êtes comme, bizarre qu'il fasse ça. Quoi? C'est qui? C'est les parents de qui, ça? Appelez-les, là. C'est qui leur parent? Mais ouais, voyons donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est un montage. Non, mais pas certain, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai des doutes. Là, t'es comme Chris, excellent. Bravo, Louise de Valleyfield. C'est comme, qu'est-ce qui se passe avec le monde? Il y a quand même des Je pense qu'il y a du monde qui regarde le monde à travers des rouleaux de papier de toilette. C'est ça. Hey, même de Scott Towell. Mais ça, comme, c'est très inquiétant. Oui. Quand même. Ah oui, moi, je suis découragé 100%. Là. La rencontre de l'autre crée le découragement. Mais l'absence de l'autre crée comme un la solitude. Je pense que, tu sais, on ne peut plus faire appel à l'intellect des gens. Certaines fois, oui, pour un petit groupe, mais je pense que c'est plus le travail des artistes et les émotions maintenant, parce que ces tatas-là, ils peuvent vivre des émotions aussi, là, tu sais. Je sais pas. On dirait que c'est ma seule affaire, je me dis. Ben, c'est vrai, c'est comme ça que je vais rejoindre le monde. Ça va tellement être la bande-annonce de la nouvelle saison estivale. Vous aimez ça être diverti, mais ces tatas-là, ils peuvent pas pleurer, rire, être amusé. L'émotion. Non, mais l'émotion. Dire, c'est ça, pour moi, ça défie l'entendement parce que c'est pas comme. Tu sais, je comprends, mettons, que des fois, je sais pas, là. Les technologies avancent, t'es pas obligé de comprendre tout, de tout connaître. Mais là, tabarnak, tu vois deux François Legault qui se parlent, puis t'es comme. Attends, quelque chose ici ne tourne pas rond. Voyons! Mais imagine, c'est pas dur, ils regardent ça, puis ils font. C'est vrai, après la crise, qu'on aurait eu besoin, un deuxième. Un deuxième Legault. C'est vrai. Deux Legault. On se donne deux go. Oui. C'est pour ça qu'il dit continuons, ils sont deux. Oui.
Ils sont deux ensemble. Mais je trouve ça, tu sais, puis ça semble être quand même, c'est pas une majorité de gens, mais il y en avait plus qu'un. C'était pas juste comme un random occurrence dans l'univers, quelqu'un qui comprend rien, qui arrive puis qui pose ça. Il y en avait quelques-uns qui étaient, puis même, il y en a un, je pense, qui disait complètement ridicule que c'est ça que notre premier ministre fait. Pis, non, non, c'est pas lui qui a fait ça. Ça. Attends, mais, hein? The fuck? Genre, ça serait extraordinaire si François Legault ferait ça. Imagine si François Legault, il arrivait, j'ai un nouveau podcast, puis c'est lui qui se répond, puis ça n'a aucun sens. Je serais comme, wow! J'irais le voir en show. Ben oui, je serais comme, Chris, je vote pour lui, c'est sûr. Mais non, monsieur, imagine c'est pas un lui. Moment donné, peut-être que ce montage-là de Julien va se retrouver genre aux éclaireurs à Radio-Can. Ouais, pour nous dire aux gens. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Certaines est-ce vrai? Certaines personnes. Ouais. Je pense qu'il y a les shit posters puis les shit thinkers là, tu sais, c'est un peu ça. Là, je comprends. Se compte, là. Je suis rendu très investi dans le monde du shit posting. Dans le monde du shit posting, ça a été toute une aventure. Mais oui. Mais celui-là encore, là, les gens cherchent mes pages, les shit posters se sont mis là-dessus là. Il y a un channel Discord là réservé à chercher Philippe. Ok, regarde. Non, mais est-ce qu'il y a du monde ici qui ont des pages de shit posts? Puis regarde, on va fermer les yeux comme ça, on le saura pas. Okay, fait. Mais comme pourquoi on le demande de base si on ferme les yeux? Comme ça, nous, on le saura pas. Là, oui, c'est ça, on va demander par applaudissement. Avez-vous des pages de ceux qui ont des pages de shitposts, applaudissez. Oh yes! 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. Moi, j'aurais pu applaudir je sais pas aussi, j'en ai plusieurs. Je sais pas ce que j'ai pas regardé. J'en ai plusieurs. Mais non, je trouve ça super nice. Puis là, j'incite les gens aussi à démarrer leur propre page de shitpost. J'ai dit à Carl, j'ai dit, tous devraient shitposter. Ah oui? Ouais. Ça se plug bien, ça aussi. Non, mais laquelle tu m'as parlé, là, c'est le calendrier. Non, c'est quoi l'affaire du bye-bye? C'est carnet de notes d'un auteur du bye-bye. Oui, ça me fait rire. C'est une nouvelle. Oui. Mais, pour vrai, il y en a plein. Puis je veux dire, aussi, tout le monde n'aime pas la même affaire, différents styles, tu sais, mais c'est vraiment amusant. Puis honnêtement, c'est surtout très libérateur de le faire parce que c'est anonyme. Oui. Fait que tu peux juste pitcher tes idées. C'est pas obligé d'être tout le temps drôle. C'est sûr que ça l'est beaucoup, là. Mais des fois, c'est juste honnête. Des fois, les gens. Tu sais, je vois des pages, des fois, juste partager des. J'ai eu la job finalement, puis tout le monde donne du love à ça. Ouais. Ben c'est juste, je voulais comme évacuer ça. Je trouve ça très complexe à suivre. T'sais, on dirait qu'il faut que tu les suives pour vrai. Il faut que tu suives l'histoire. Moi, j'ai juste suivi les pages. Puis après une couple de mois, c'est que tu t'embarques, tu comprends où ça s'en va. Tu vois les pages que tu préfères tellement, aussi. J'en suis tellement. Il y en a comme entre 150 genre. Et 300, honnêtement. Oui, oui, c'est ça. Il y en a du beaucoup, Québec, là, mettons. Oui, oui, oui. Puis comme là, la chaire de recherche. Ouais, je suis un peu la chaire de recherche. De la chaire de recherche. Non, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est le fun, shit posté. Oui. Pis c'est un fun petit écosystème, fait que je trouve ça super drôle. Tu sais, honnêtement, je sais pas comment, je pensais pas que ça deviendrait comme une affaire pour eux. Moi, je voulais inciter notre monde à aller voir les pages de shitpo, juste pour parce que je voyais que souvent aussi il y avait des trucs vraiment drôles, vraiment intéressants qui se disaient, qui se faisaient. Mais tu sais, souvent c'était comme un peu incestueux, c'est toutes des pages de shitpo qui like les autres pages de shitpo. Puis c'est comme s'ils manquaient de public un peu. Ouais. Là, je me disais, Chris, je suis sûr qu'il y a de notre monde qui peuvent apprécier ça. Là, ouais, genre, fait que là, je le fais. Mais je pensais pas que les shitposters, eux autres, ils verraient ça. Oui. Puis que là, c'est devenu, la semaine passée, c'était comme Philippe posting. Tout le monde est Philippe. Tout le monde postait Philippe. Mais c'était super drôle, comme ça me faisait juste rire. Je voyais mon feed, puis c'était comme toutes des posts à propos de moi. Mais pas vraiment de moi. Non. Non plus. Mais c'était comme là, c'est devenu le grand mouvement de Nous sommes Philippe. Ouais. Ben, c'est vrai qu'en même temps, si tout le monde est anonyme, tout le monde est Philippe, dans un sens. Oui. Tu sais, je suis potentiellement toutes ces c'est pages-là. C'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui est comme, je suis sûr, ça c'est Philippe. Là, je regardais la page, j'étais comme, mais vous êtes dans le chemin. Là, mais zéro, il y a quelques personnes qui ont trouvé une de mes pages jusqu'à date, qui m'ont écrit en privé, puis j'ai été honnête, mettons. Ils ont-tu gagné un prix? Non. Ah. Et non, mais je leur ai juste demandé de pas dire pour pas péter le fun des autres, là, parce que je vais le révéler en juin. Mais là, je laisse tout le monde comme continuer de chercher, puis les shitposters sont là-dessus aussi. Mais Chris, honnêtement, il y a deux de mes trois pages là, que personne à date m'a... Tu devrais le révéler le 27 juillet, je pense. Ben moi, j'avais promis le 3 juin après, parce qu'il y a une page de shitpost qui fait juste reposter. Délité, là, cette page sera supprimée le 2 juin 2023. Puis moi, j'avais dit, donc le lendemain, je vais l'annoncer. Mais c'est ça. Puis là, les trois pages que je me suis fait au début pour cette aventure-là, je suis un peu tanné. C'est là. Terminé. Là. Ben un peu. Mais je continue à poster juste parce que le jeu n'est pas fini, mettons. Mais je commence à... Mais là, je sais qu'est-ce que je veux faire. Ah oui? Ouais. Un autre page. OK. C'est cool parce qu'en même temps, c'est une continuité comme dans l'idée. J'aime ça. C'est ça. Okay. Non, mais juste comme un autre concept. Un autre, okay. On dirait que j'ai exploré un peu, mais c'était comme des explorations newbie. T'sais. Ouais. Je connaissais pas. Puis en le faisant, on dirait que j'ai fait comme « Ah ouais, mais ça, c'est limitatif pour telle raison. » Puis ça, ça n'a pas rapport, je trouve pas ça si drôle. Puis tu réalises que c'est ça aussi, c'est que c'est pas juste les 5 jokes que tu as dans la tête, comme quand tu crées ta page. C'est juste qu'au final, il va falloir quand même que tu crées un personnage complexe. Ouais.
auxquels les gens n'auront pas ta face puis pas ton nom, mais ils s'attachent à tout ce que tu sais. Tout ça finit par faire un grand portrait qui est toi. C'est parce qu'il y avait ça dans le courant des mimes, tu sais, Manon Grenier au début, qui était comme un personnage. Oui, je tu sais, comme des pages de mimes avec des personnages, il y a eu ça un peu dans cette vague-là. Là, on est dans une autre genre de vague, mais moins populaire, parce qu'il y a eu les grosses pages de mimes vraiment populaires. Le shitposting, il n'y a pas tant de personnes qui dépassent comme non, c'est vraiment underground. Mais là, tu vois, mais là, il y a de la... ben pas de la chicane, mais il y a de la bisbée, un peu. Il y a de la bisbée partout. Non, mais non, mais ça a l'air... Je n'ai même pas vu, mais j'ai vu des posts passer, comme quoi, là, c'est ça, là, il y a des anciens du shitpost qui sont comme, là, il y a comme une nouvelle vague, puis là, c'était mieux avant. Mais tu sais, ça, c'est la vie, hein. T'sais, ça, c'est... Wow. Ça, c'est le grand cercle. De... C'est les boomers dirait... de la shitposting, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, des... Ils sonnent comme les vieux hockeyeurs. Ouais, ça, on peut plus aller dans le vestiaire. On peut plus donner des coups de bâton dans la face. Jeunes, ils peuvent pas fumer sa patinoire. Mais en même temps, je comprends. Tu sais, des fois, c'est correct d'avoir une mélancolie pour genre ce que tu as vécu puis tout ça, mais ça t'appartient. T'sais, c'est pas aux autres non plus. Je sais pas comment dire. C'est quoi? Faut pas que les choses changent à cause de toi. Ça te met mal à l'aise. C'est pas une émotion que tu devrais envoyer aux autres. Ouais. Mais c'est une émotion que tu peux vivre et qui est legit aussi. Là, mais fait que c'est ça. Fait que là, il y a un nouvel éveil vers le shitpost. Ouais, mais je pense aussi. Tu devrais te partir une page aussi, tu serais bon. Ah, mais je fais trop d'affaires, Philippe, déjà. Non, mais ça, c'est rien faire, là. T'as juste une page de plus que tu peux cliquer avec ton pouce juste quand t'as une idée puis t'écris. C'est bon, des concours. Lui, quand il a une idée, il part un Twitch. Il part un. Ouais, trop de choses. Mon temps est consacré à Magic. C'est ça, là. C'est ça. C'est beaucoup ça. Non, mais c'est parce que tu serais bon. Magic shitposting. Je trouve que c'est vraiment. C'est thérapeutique. Moi, ça me fait du bien. Ouais, ben moi, c'est que tu vois, je joue de la musique pour me faire du bien. Ah ouais, plus compliqué. Non, plus simple. Que shit poster, ben non, shit poster, c'est simple. Là. Mais non, c'est à shit poster live. Non, pour moi, ça, c'est bien plus compliqué. Là. Oui. Moi, shit poster, jouer de la musique, c'est zip-zap de même. Zim-zom-zoom-zing-zang. Et puis là, je me demandais si j'étais le plus vieux shit poster, puis ça a l'air que non. Oh shit. Ça a l'air qu'il y a des plus vieux que moi qui shit poster. Non. Ouais. Quel âge, mettons? Genre 50, là. Ouh! Non. Ouais. Wow. Ouais, j'étais comme wow. Aïe. Mais en même temps, c'est cool. Genre, je serais comme je le rencontrerais je la rencontrerais, je sais c'est pas. Tu te souviens quand il y a le monsieur super, genre soixantaine, qui était monté sur le stage, manger des beignes? C'était dans les Golden Classics. Il était assis, me semble, comme là, le monsieur. Là. Il était monté sur le stage. Ouais. C'est vrai qu'il y avait un très vieux monsieur qui était venu nous voir. Oui. Mais je te compte. Où êtes-vous, vieux monsieur? Ben, on le retrouve! Temps, je veux dire, vous savez qu'il y a des chances que ce qu'on trouve, ça ne soit pas super. Il y a ça avec les vieux. Tu ne peux pas les perdre de vue longtemps sans t'inquiéter. On n'est pas obligé de le trouver, lui, juste savoir. Mais je ne sais pas s'il écoute encore le podcast. Hein? Ben, je ne suis même pas sûr qu'il l'écoutait. Point. Il y a ça aussi qui n'est jamais clair. Là. Mm. Tu sais pas? Ouais, tu penses vraiment qu'il avait acheté un billet comme random? Tu me niaises. Ben, ça me semble qu'il était là au moins. Il était là plus qu'une fois. Ouais. Oui. Ouais. Mais regarde, peut-être. En même temps, c'est pas parce que t'es vieux que t'es off, là. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas de lien entre. Ouais. Quand t'es off, c'est parce que t'es off. Il y a du monde de 6 ans off, ben oh, raide. Oui. Ah ouais. Complètement wesh. Puis il y a du monde de 75 super cool. Avec l'âge, c'est pas grave. Non, pas vraiment. Mais je veux dire, quand même, il y a des tendances. Oui. Je pense que c'est normal de passer un certain stade d'envie de comme moins changer. Parce que j'aime ça, ton bébé il est off, c'est qui est off. C'est qui est off ton bébé? Comment il fait ça? C'est fucking off ton bébé. C'est qui est pas là? 10 divisé par 3. Là-bas, off ton bébé. 3.33. That's it. Merci. Tu vois, ça c'est un vrai bébé. Ça c'est un bébé. Mon bébé préféré. Mais ouais. En tout cas. Ça te dérange-tu de vieillir? Ben pour l'aspect de perdre la vie, oui, mais pour le reste, non, là. C'est sûr, c'est un petit bémol, mais là, oui ou non? À l'expérience. Ben, ça me dérange. Dans le sens que tu te rapproches de possibilités de complications médicales, mettons. Tout c'est ça qui t'inquiète? Ouais, c'est sûr. Mais sinon, fun. M'en fous, l'âge, là. M'en fous bien raide. Non, mais c'est différent quand même, avoir 20 ans, avoir 35, avoir 40. T'sais, c'est pas tout à fait... On n'est pas exactement la même personne. Ben je pense qu'en fait, les gens s'attendent à une certaine maturité plus tu vieillis. Là, t'sais, comme mettons, moi, je suis super mature. Je sortirais pas tout seul à la roquette. On en parle à tous les jours. Je sortirais pas à la roquette toute seule, mettons, maintenant. T'sais. Puis même, parce que t'es mature? Non, juste parce que je suis trop vieux pour la crowd. Je pensais que t'allais dire « j'ai peur », parce que j'ai peur. Non, mais mettons, j'y vais avec Benoît. Puis... Ouais. OK. La roquette! Hey. La roquette! La roquette! Gars, ça, c'est trop barbu, là, Chris. Non, mais c'est parce que je me tiens plus dans le circuit, là, tu sais, peut-être avec des amis. Le circuit? Ben, le circuit des bars, là, De la roquette? Ah, dans le temps, on appelait ça le circuit. Non, mais dans le temps, Il y en avait trois. Il y en avait un du Beaubien, il y en avait ça de la roquette. Oui, en 2010. Il y avait le Bulldog, Saint-Laurent.
Il fermait les rideaux pour fumer dedans. Ah ouais, ça c'était oui. Malade. Ah ouais. Il faisait ça. Ah ouais. 4h du matin, c'est dans pas fini. Dans le temps, c'était fou. Oui, il comptait sa caisse, mais il en comptait pas beaucoup. C'est les belles années, ça, pareil, mais genre, on dirait que je regrette pas. T'sais, c'est ça, j'ai dit ça à Carl. Carl, il m'a invité à son show, puis j'ai dit, oh, tu sais, moi, j'ai dit, la quarantaine, la petite bédaine Mandalorian. Wow! Quoi? T'as répondu ça? As-tu dit ça? Oui. La quarantaine, petite bédaine Mandalorian. Ouais. Wow! Ça, c'est un chandail! C'est un chandail! Voyons donc! Hey, c'est comme le nouveau métro boulot dodo. Oui! Mais c'est ça, tu sais, je suis comme... C'est que j'aime ça! J'arrête pas d'aimer ça. Là. Mais c'est ça, je sors plus ben, là. Je pense que ça fait partie de tu sais, vieillir un peu puis de plus aimer Star Wars. Non, mais comme, je suis bien dans tout mes affaires. Tout le monde, affaires. Tu nais? Tu sors, puis après ça, t'aimes Star Wars. Ouais. Là, tu restes chez mais vous. C'est ça, tu sais, je pense qu'il y a un aspect cocooning aussi qui rentre en compte, puis je sais pas. Aussi, là, c'est là. Dur d'être debout une heure et demie d'affilée maintenant. C'est ça. Non, moi, mais... c'est ce qui m'empêche beaucoup de sortir, c'est « Ah, combien de temps, Flo, je suis debout? » Non, ça se peut pas. T'sais? Non, mais si t'es en forme, c'est différent. C'est là, comme ouais, mais ça, c'est une possibilité. Mais non, là. Mais tu le fais deux semaines, t'es correct, là. Ouais. Ton dos se renforcit. Hey, mais c'est beaucoup de job pour aller voir un show de musique. Mais là, non, t'sais. Mais si tu le fais à toutes les semaines. Là, c'est juste pour vrai, après des années de pratique de toutes les positions, j'ai réalisé « Assis, c'était ma best. Pas debout, c'est vraiment overrated. Là. Moi, c'est coucher ma position préférée. Coucher, je trouve, c'est limitatif. C'est un ça, peu. Parce qu'il y a plein d'affaires à un moment donné, c'est moins pratique. Puis aussi, tu fais comme des plaies. Non, non, mais faut que tu t'étires, tu tournes de côté. Puis moi, je me suis acheté une affaire, mettre mon téléphone comme ça. Ça moi, je peux mettre mon projecteur au plafond. Tu sais, je suis bien, là, couché, là. T'as dit, ça est un petit net en haut. L'avenir, c'est couché, là. L'avenir, c'est couché. Ah, ouais. C'est la matrice. L'avenir, c'est ça, la matrice. Ouais, ouais. Ça avait l'air d'un parti politique vraiment weird. Comme la, avec nous, c'est couché. Avant, vous étiez à genoux, maintenant, vous allez vous coucher. La dodo, genre. Peuple à genoux, couche-toi. Couche-toi. Il sera bien mieux. Ouais. Je m'essuierai les pieds sur ton dos. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Oh, amen. Oh, t'as-tu des petites notes, toi, là? Non, mais je voulais juste parler de quelque chose que j'ai lu cette semaine. OK. Qui était vraiment intéressant. Super, hein? Un peu. C'est parce que j'ai lu un article. J'aime ça. Je lis tout le temps des articles scientifiques. J'aime ça, honnêtement. Tu sais, des fois, je me pitch, on dirait, puis je google plein d'affaires. Puis là, oui, souvent, tu m'envoies des affaires. Là, j'aime des, ça. Les Wikipédia. J'aime ça. Puis là, je suis tombé là-dessus. C'est le paléo-anthropologue Ludovic Slimak, qui est comme un des grands spécialistes mondiaux de l'homme de Néandertal, mettons. Ouais. Puis on sait que l'homme de Néandertal est disparu il y a 42 000 ans, très rapidement. Ah oui, mais on ne sait pas exactement pourquoi. T'sais. Puis lui arrive avec une nouvelle théorie, parce qu'il y en, ça, a, eu, nice. Y en a eu plein là, qui ont été mis de l'avant, de genre des changements climatiques, c'est tout ça, ils n'ont pas été capables de s'adapter, blablabla. Bla, bla. Puis lui, il dit non, on les a clairement tous tués. Puis là, je disais ça, puis je me disais, Chris, c'est ça sûr. C'est tabarnak. Sûr que c'est ça. Puis ça m'a comme découragé, puis rassurant en même temps, parce qu'on dirait que ça m'a fait réaliser que c'est ça, dans le fond, qu'on est, l'Homo sapiens. Si on était, genre, une race extraterrestre à choisir dans un jeu vidéo, notre special move, c'est instant genocide. On est full bon. On voit de quoi, puis on est comme, combien de temps que ça peut me prendre tout brûler, ouais, ça? C'est ça. Ça se mange-tu? Ça se mange-tu? Je peux-tu fesser dessus avec mon pied? Je peux-tu? Bon, ils sont tous morts. Parfait, on passe au prochain. On les a mis dans une cage, ils chantent. Je pense que c'est dans nous, mais ça. Puis on aurait commencé, donc, imagine, notre espèce avec un grand génocide. Il était full fin, tu sais, full gentil, parfait, genre, yeah. Ben, c'est puis ça qu'on se demande. Puis là, finalement, c'est les racistes qui ont gagné. Ben, c'est un peu ça, je pense, qui est arrivé. Aïe. Le premier grand génocide, ça serait l'homme de Néandertal qui était un peu partout. Sur la planète, pas partout, mais je veux dire, il était pas juste comme dans une région, c'est pas une affaire comme isolée, puis on les aurait toutes fucking wipés parce qu'on est des hosties malades. C'est ça, nous, la fondation de notre civilisation, de notre espèce. Peut-être. Ça va, ben peut-être, sais-tu quoi? Moi, je pense que c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça qui s'est passé, puis on dirait que ça m'a comme complètement blasté in space, puis là, je suis comme, je suis pas nihiliste, là. Là, je suis genre, il y a rien à faire. Avec ça, on est fondamentalement pourri. Ouais. Un parasite. Ouais. Ouais, oui, mais je pense impardonnable. Il y a plusieurs personnes qui disent ça, là, le virus sur la Terre, c'est l'humain, là, genre c'est quelque non, chose. Non, mais on est qui... une race génocidaire, c'est grave. Ouh, comme oui, ben, juste le fait qu'on fait des meurtres, c'est weird là. Non, mais puis imagine un meurtre dans un contexte de wiping une population complète, c'est plus juste un acte unique, c'est on explique aussi les meurtres de façon économique. Ouais, mais c'est parce que là, l'affaire c'est qu'on est en guerre. Fait que les ils sont pas fins, dommages ben, oui. collatéraux.
Puis on continue tout le temps. On wipe. Puis là, tu vois, on n'a plus rien à wiper. Fait qu'on swipe nous. Ouais. Ce qui est quand même assez crazy quand tu le podcast le plus doomer de la Terre. Hey, c'est vrai, bon épisode estival, tout le monde. Ben oui. Après la pause, on fait un daiquiri avec Jean-François. Et Mathieu nous parle des Khmers rouges. Commencer à faire du Twitch. Ah ouais? Oui! J'ai fait une petite course de billes. Oui! C'est super le fun! Venez me rejoindre sur Twitch. Je vais pratiquer mon piano. Vous allez pouvoir m'écouter faire de la musique toute la journée, me tromper sur mes accords. Plein d'erreurs en perspective, je vais vous casser les oreilles sur Twitch. Venez me voir improviser et avoir chaud dans mon petit studio. Venez me voir sur Twitch, abonnez-vous à mon compte Twitch. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, bien, hey, on va s'entendre. On se connaît, donc on ne fera pas semblant, on va se tutoyer. Exactement. C'est pas un manque de politesse ou de respect, là, on s'aime. écoute, d'abord, je commence avec ta bio. Tu as commencé comme chroniqueur. Après, tu as eu ton émission, ton magazine, tes livres, tes accessoires de cuisine. Et puis, je suis certain que ça fait juste commencer. Ah, c'est ça, là. Il faut le dire, puis on le précise tout de suite. Ouais. S'il y a un bon côté à la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais côtés, c'est une des plus belles parties de la vie, de partager un repas, prendre un peu de vin. C'est... Il y en a qui ont des meilleurs lunchs que d'autres, Ouais.
Je te regarde, là, t'as plus d'énergie que jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des projets. Moi, c'est un de mes grands objectifs. Là, ça va tellement mal, au moins, on va s'aider entre nous. On va se trouver des choses à faire ensemble. Ouais. D'ailleurs, encore une fois, merci. Il faut que je te pose une dernière question. Okay. Qu'est-ce que je préfère dans la vie? C'est pas un manque de politesse ou de respect, là, on sait. Ouais. Bonjour tout le monde. Hey, c'est un sucré salé là, je veux le voir. C'est ça, mais, sucré hein? amer. Là. Sucré amer, ouais. Acide amer. Ouais. C'est ouais. ça, c'est un autre saveur. Oh, mais je trouvais ça quand même super intéressant, mais ça a trop de sens, ça, pour pas être ça. Il y a rien d'autre qui peut vraiment expliquer que, qu'une espèce au complet disparaisse si rapidement. On dirait que l'hypothèse n'a pas été posée avant parce que, genre, c'est un déni. Là, un peu. Ben, un peu, c'est... parce que c'est comme qui veut réaliser ça de soi-même. On n'était pas là, hein. C'est nous, sûr. Non, moi, j'étais pas là, non. Mais c'est parce que l'affaire, c'est il y a pas de photos. Ben, il y en a zéro qui ont survécu. Ben, je pense qu'on a... Ben, pas parce tous, mais il y a du Néandertal dans la génétique des Homo sapiens. Fait qu'il y a eu des transferts qui sont faits. Il y a du monde qui ont couché ensemble. C'est juste qu'en at large, ils ont tous tués. Mais tu sais, c'est quand même... Oui, parce que ça devait vivre en tribus séparées. On dirait que c'est comme très pandémie comme affaire, là. Tu sais, que partout sur la Terre, tout le monde a décidé de les tuer. Ouais, mais ben, est-ce que c'est vraiment juste décidé? C'est-tu décidé ou c'est juste que fondamentalement, c'est ça? Ouais. C'est ça que tu fais, toi, en tant qu'homo sapiens. Tu détruis ce qui est devant toi. Tu le modèles à ce que tu veux. Puis si tu vois du différent, t'en as peur, puis tu l'attaques, puis tu le tues. Ouais. Just saying. Je sais qu'on a fait Stardew Valley aussi, mais beaucoup de génocide. C'est les non, deux, là. C'est une hypothèse intéressante. Super intéressant. Mais ça reste une hypothèse. Fait que toi, tu préfères encore continuer le déni? Oui! Parfait. Non, mais je fais juste... On peut revirer à Jésus puis tout de suite. Non, mais on s'en parle de ça, là. C'est correct. Ben oui, c'est ça. Là. Toi, tu peux croire ce que tu veux. Là. Toutes tes astuces d'inventions bizarres que tu veux. Là. Genre... De quelle invention bizarre, Chris? Tu peux tout croire, là. Tu peux rien inventé, là. Ben oui, t'as tout inventé ça, là. C'est une niaise. Hey, tu vois-tu comment le déni est fort? Regarde, comment il est capable de tout garder ça. Non, ça tient encore. Toute mon organisation systémique de la vie fonctionne. Je sais pas c'est qui a du déni, mais je pense pas que c'est moi, là. Ouh. Ah non? Tu penses, moi, je fais du déni? Oui. De quoi? T'as pas raison. De la grippe des Néandertals? Moi, je dis que c'est une hypothèse. Toi, tu dis que c'est une certitude. Moi, je dis que je crois à cette hypothèse. OK. Parce que je trouve que, c'est la meilleure. OK. Puis de deux, ça a trop de sens, puis ça explique trop de choses. Oui. C'est sûr que ça explique pas Grégory Charles, mettons. Mais ça explique beaucoup où on est rendu. Non, mais parce que c'est quand même fou de penser à ça. T'sais, on dirait qu'on pense souvent à l'histoire de l'humain, comme notre histoire, surtout depuis qu'elle a été écrite, mettons, depuis qu'on l'a su. Puis surtout aussi, nous, on est très au courant de l'histoire des Blancs, mettons, là, tu sais, puis de tout ça. Mais on dirait que même souvent dans l'histoire, même de l'Asie, là, mettons, qui est là depuis plus longtemps, là, dans ces... On recule comme de 5, 10 000 ans max, mettons. Uh-huh. Mais là, tu arrives puis tu penses à nos ancêtres, mettons, les Homo sapiens de moins 42 000. Ouais. Ça, c'est quand même spécial de, parce qu'il y a une ligne de descendance directe jusqu'à toi, pareil. Ouais, ouais. C'est juste que là, il doit commencer à avoir des popées différentes. Fait un J'aimerais ça voir Early GF. Ouais. Le premier. GF pointe. Ouais. C'est Provençal.0. Ouais. Genre le premier, tu sais. Eh hey boy. Mais le Prévençal. On vient de... Ouais, le Prévençal, ça a l'air d'une époque. C'est beau. Oh wow, j'ai hâte de voir le Post-Vençal, par exemple. Le Post-Vençal, c'est dans l'espace. Wow. Ouais, c'est sûr. C'est peut-être juste une tête dans un globe, comme ça, c'est... Dans l'espace, on est comme couché, même si on est debout, hein. Pis c'est le futur, t'as peut-être pas tort. J'aime ça. C'est vrai. Dans l'espace. Ça, c'est une bonne quote. Dans l'espace, on est comme toujours couché. Ben, un peu. Un peu. J'ai lu l'autre fois que la première femme qui a été dans l'espace, ils ont demandé si pour un voyage genre de un mois, elle avait besoin de plus que 100 boîtes de tampons. Répète ça! Non, mais c'est juste, je trouve que ça fait du bien des fois de réaliser que même la NASA, les scientifiques, ils savent plein de choses, mais c'est ciblé, hein. Ça veut pas dire que tu comprends dans tout. Dans l'espace, ils ont envoyé juste 100. Non, mais non, en fait, c'est que je pense que c'est la première femme astronaute. Ben là, peut-être que je raconte ça, tu croches, mais il y a une femme astronaute qui s'en est dans l'espace, puis la NASA, il demande, fait que là, tu pars, mettons, pour un mois, tu vas avoir tes règles, as-tu besoin de plus que 100 boîtes de tampons? Et t'es comme, ouais, non. 100 boîtes, c'est beaucoup. C'est même s'il y a 90, des problèmes. 90, 91. Ouais, mettons 75, on est safe. Là, pour un mois, des boîtes. Je vais être bon. Wow. C'est, fait que, mais je trouvais que ça ramenait un genre de...
Je sais pas, ça enlève un mystique, mettons, à la NASA, ces gens extrêmement intelligents qui... Je sais pas si on est menstrué dans l'espace comme, tu sais, mettons, dans l'eau. Non, mais quand les... Non, mais... Tu sais, dans l'eau... Je sais pas si on est menstrué dans l'espace. Je sais pas si on est menstrué. Non, mais pour vrai, je sais pas, là. Mais ça dit... Tu peux pas être menstrué dans l'eau quand tu... T'es menstrué dans l'eau. Mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi qu'ils nous disent ça? Qui t'a dit ça? Mais tout le monde nous dit ça tout le temps. Qui peut être menstrué dans l'eau? Qui dit ça tout le temps? Qui vous a... Vous avez... Moi, j'ai su ça en FPS, genre... On peut pas, mais pas, d'un, je comprends pas pourquoi ça serait dans la formation. Juste vous dire, by the way, vous pouvez pas être menstrué dans l'eau. Ah, je pense que, hey, je pense que je le sais pourquoi. Oh my God. On l'évacue pas de la même façon. Mais je pense que ça ce peut. Qui s'est passé, c'est que j'ai, dans mon école secondaire, il y avait une piscine. Puis là. Ça s'en vient. Ça commence bien. Il y avait. Quoi? Non, ça va être bon. Ça, non, mais c'est qu'il y avait sûrement un élève qui avait fait un genre de. Là, c'est une hypothèse, hein. C'est pas une certitude. Probablement qu'il y avait un élève qui avait dit quelque chose comme ça, puis il avait dit non, non, tu sais, les femmes, même s'ils sont menstruées, c'est pas grave, on peut se baigner. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait comme wesh, tu sais, là. Ah, fait quelqu'un aurait dit ça pour calmer le. Le prof aurait fait non, non, non. Puis là, moi, j'ai retenu ça toutes ces années-là. Qui risque que c'est dangereux parler à des enfants, ils retiennent n'importe quoi. Mais surtout non, moi. Non. Moi, t'es garde d'une chambre, t'es sort à 15-16. Mais j'aime ça que toi, t'es parti avec ça, puis t'as fait toute ta vie à date jusqu'à ce soir avec... Tu peux pas être menstrué dans l'eau, mais non. Hey, tu vas être menstrué, va dans l'eau. Va dans l'eau. Va dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre dans le lac. Non, mais moi, c'est comme... Les sirènes, t'as pas menstrué. T'as pas menstrué jamais. Tu me dis quelque chose, je le retiens pour toute la vie. Ça, c'est là. Bon, mais c'est ça, c'est dangereux aussi si tu retiens la mauvaise affaire. Ben oui, mais c'est ça. Mais là, arrêtez de dire des fausses affaires, là. Mais celle-là est pas si pire. Imagine s'il avait dit, esti, t'es poche, tu feras jamais rien, tabarn. Tu sais, là, tu ouais, mais ça, je l'ai pas cru, là. Ça, j'ai fait ferme ta gueule, esti. C'est vrai, mon prof de guitare, il a dit, tu joueras jamais de musique de ta vie, Gris. Esti, j'ai plein de nominations à la 10. Toi, qu'est-ce que t'as? À rien! Drew that. Tu donnes des cours d'un petit cubicule avec un néon. Après ça, mon prof de cinéma, il a dit « Arrête d'écrire! » Ah oh ben! Ah oh ben! Ah oh ben! T'es où, toi? Oh! Oh! À l'université! Oh! Puis tu fais rien d'autre que ça! Oh! 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 Ah oh ben! Ça, c'est une bonne émission d'été. On règle des comptes, est-ce-tu? On devrait faire ça. Si on reçoit des vedettes. Oh ouais, donne la marde à du monde. Guy Jodoin, qui c'est qui t'a fait mal? Ouais. Charles Lafortune, t'as sûrement une crotte sur le cœur. Je peux pas croire. Ah ouais, toi, t'as été bullié à l'école. Ben, on l'a, Stéphane. Il est ici. Il est attaché. Ah ouais, pou, pou, pou. Ah ouais. Ça serait bon. Oui. Yeah. Ah ouais. Tu sais, le bout de Charles Lafortune qui dit « Ça, c'est zéro cringe ». Oui. Je vais le réécouter souvent. Oui. Ça, c'était zéro cringe. Zéro. Ça, c'est zéro cringe. Ça, c'est zéro cringe, puis c'est genre super cringe. Ben lui, c'est comme extraordinaire. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il regardait quelque chose, tu sais. Oui, je comprends, mais genre le fait que lui dise ça, seul les foules, fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est une performance. Te rappelles-tu? C'est une pièce de théâtre, ça devrait être en nomination, là. Ben ça, puis la fois qu'il dit... Il est beau, hein? Oui. Il est beau, hein? C'est beau, hein? Ça, c'est beau. Ah, il est beau, hein? Ça, c'est l'enquête. Ma blonde, nous, elle la regarde souvent, ça. Ça, c'est hot. Okay. Ce qui se passe, c'est qu'on écoute la voix, puis là, genre, il est en arrière, en coulisses, puis là, il demande à une personne qui est en train de regarder son père chanter, puis là, tu sais, ils sont tous devant la TV. Puis là, il demande comme, puis ils sont tous comme captivés. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu diras à ton père? Il est beau. Puis il fait, il est beau, hein? Il est comme ça, là. Comme une émotion impossible. Ah oui. Il a comme pogné de quoi, mais ça avait pas de sens. Il allait full idéo. Ouais. Ça passe vite. Mais tu sais, personne n'a remarqué ça. Mais moi, j'étais comme, attends une minute, là. On recule la télé, on filme ça. Il est beau, hein. Là, hey, c'était cœur, hein. Puis il est sur mon Facebook, il repop tout le temps. Il est beau, hein. Il est beau, hein. Allez liker ça ce soir, vous allez capoter. Ça, c'était zéro. C'est des petites vidéos de même, des fois, qui me permettent de continuer ma vie. Je sais pas si c'est magique, l'Internet. Ouais. Il y a ça de bon. L'Internet, c'est bon. Ben, il y a plein de faits le fun. Je lisais après-midi. Les gens sont d'accord. Oui. Genre, il y a une fonction sur Google, tu sais, comme t'es pas obligé de dire OK Google, stop pour ton alarme le matin. Tu fais juste dire stop. Mais là, des gens qui mettaient Where's My Mind des Pixies se réveillaient pas parce qu'au début, ça fait stop. Ça annulait l'affaire.
Fait que genre, les Pixies s'excusaient aujourd'hui en joke, comme genre, aïe, aïe, ça c'était un fuck loop bizarre en esti. Where's my alarm? Where's my alarm? Stop. Where? Don't go to work. C'est carrément hein, pareil. Moi, c'est tellement c'est bad, pratique. Des fois, je mets des alarmes à midi. Ouais. Ça, c'est d'un bad. Coup, t'sais. Ça, c'est... Non, mais des fois, je suis comme, ça n'a pas d'allure. Que je suis pas certain qu'à midi... Je vais me réveiller. Je vais être réveillé, fait que je suis comme, on va mettre une alarme. Ouais, juste pour au être cas. Sûr. Puis là, ça sonne, je suis comme, Non, mais ça, ça veut dire, il y a des gens qui mettent une alarme à l'heure où toi, tu te couches. T'sais. Ouais. C'est drôle, ça, parce que moi, j'ai une alarme à 1h05. Du matin? Non, du soir. Du jour. 13h05. Hey, c'est vrai, ça, c'était mêlant. Ouais, en tout cas. 13h05, OK? Ouais, ouais. J'ai une alarme, puis c'est genre, c'est une application de musique qui me dit « Tu devrais pratiquer tes gammes. » Puis là, il y a un certain moment où je me levais pas comme à 1h. Tu sais, j'étais déjà endormi. Puis là, des fois, je suis dans la journée, puis elle fait « Ding, ding! » Puis je suis comme « Wow, fait longtemps que je suis réveillé. Aïe, aïe! » Tu sais, je me rends compte que, genre, on dirait que c'est comme si j'avais gagné 4 heures. T'es redevenu sur un horaire plus tôt, là. Oui, tu te lèves à quoi? 9. 9 heures? 9, ah, 9 et demi. Ouais. Ouais. On dirait que j'aspire à ça. Ouais, t'es comme notre marque humaine. Moi, je peux comme nailer le 10 heures pendant plusieurs jours, voire semaines. 9, je le toffe pas longtemps. C'est 2 heures du matin, il faut que tu sois couché. Ça, c'est 2 heures, c'est comme, c'est dépassé. C'est sévère. Non. Si, c'est parce que même à ça, on dirait qu'il y a un déficit parce que même à ça, c'est pas très long. T'sais. Fait que faudrait que je me couche comme à minuit. Comme, une heure, ça marche. 1h30, ça marche. Moi, là, je me couche à 5 heures, puis des fois, je me lève là. À 1h30. Oui, puis après ça, t'es full déprimé, puis t'es comme « The world will burn! »« The world die! » C'est ça, là. « And no world is alive! » Ouais, mais ouais, peut-être, c'est sûr, ça m'aide. Lève-toi pas, tôt, mange des fruits, fais de l'exercice. Mais j'ai toujours, moi puis le matin, on a vraiment pas une bonne relation. Ouais. Genre, je l'haïs, puis lui, il m'haïs. Mais si tu te faisais du pain doré? Ouais. Tu sais, puis là, tu te mets comme un genre de disque. J'ai jamais faim pour déjeuner. Ouais, mais le matin de printemps, ça fait du bien, ça, pour se réconcilier avec le matin. C'est beau comme le soleil le matin. Quand ça commence, tu sais, l'hiver, c'est un peu raide ou des journées quand il fait gris, ça soc. Mais je peux beau, pas être ça, le prince de la nuit lever, si je me lève. Ouais, mais tu pourrais être le roi du jour. Non, ça, on dirait que c'est déjà quelqu'un d'autre. Puis ça Charles. Prend des papiers que j'ai pas envie de signer, puis tout ça. Non, mais c'est, j'aime le ça, dauphin la nuit. Du matin? C'est sûr, tout ça, je pense. Non, non. Le non, mais... suzerain, good morning. Non. Non, mais j'aime trop ça, la nuit. Tu sais, des fois, je me dis, ah, je suis full fatigué aujourd'hui, je vais me coucher à 10 heures, je cante. Puis là, on dirait que la nuit commence, puis je suis comme, non, c'est chez moi ici. Puis là, j'embrasse la nuit, puis on danse, puis genre, on vit une aventure, puis je m'endors à 5h15. Toi, minuit, t'es comme un genre de Cendrillon, mais reverse. Ouais, mais reverse. Si on aurait pu, comme, mettons, si on vivait dans le metaverse, mettons, de Facebook, tu pourrais juste déménager, genre, au Japon, tu vivrais ta même journée, mais tu serais comme debout. Je serais le matin ici. Ouais, comme, tout le temps. Puis là, tu serais comme. Là-bas. Est-ce que tu penses que à ce moment-là, tu serais comme de soir là-bas? Puis là, ça fuckerait tout. Tu aurais juste la journée sombre. Tu et la tu te lèverais full tôt là-bas. Puis là, dans le fond, tu serais comme juste rebelle. C'est comme non, moi, je vis la nuit mais dans au mon Canada. Pays. Puis là, t'es comme full tôt. Tu sais, tu te lèves à 5 heures. Puis t'es comme, je suis la nuit. Là, tu comprends pas pourquoi le bar est fermé. Ouais. Puis là, tout le monde est déçu de ton projet. Je sais pas. Je pense que c'est une affaire de rébellion. T'aimes juste pas trop les causes. Non, si mais tout honnêtement, le monde se levait tard, tu te lèverais tôt, tu penses-tu? Ben oui, parce que je pense que ce que j'aime, c'est qu'ils sont c'est toutes parties. C'est ça, oui, ça, oui, effectivement, il y a un peu de ça, de là. Mais je pense aussi, je sais pas, j'aime ça la nuit. Tu sais, comme on dirait que moi, c'est ma vibe. Ouais, le matin, aussi. C'est pas ma vibe. Là. Ouais. C'est les enfants puis le monde de bonne humeur. Mais le monde mort, est gossant le matin, c'est par gosse. C'est vrai que des bonjour! Fois, c'est gossant. Bonjour! Non, wow. Hey, quand tu oublies que c'est le week-end, puis tu te lèves un dimanche, puis il fait clair, puis là, t'es comme, je vais juste aller au dépanneur, puis là, il y a du monde qui sont contents de marcher, Jean-François. Ouais. Ils sont là, puis man, c'est par où l'oratoire? C'est fucking rough. Mais ça, c'est le café, ça, là. Le café. Mais ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Tu sais, c'est une énergie que je suis jamais dedans, mettons. On dirait que c'est pas à moi, ça, je devrais pas être là. Quand je me lève le matin, tout est fucké. Ouais. Comme je comprends pas, puis là, je mais c'est sûr que t'es plus habitué. Non, mais je rêve d'aller me recoucher, comme. Tu sais, ça arrive des fois, là, j'ai un engagement, là, mettons. Moi, j'appelle ça le matin, mais mettons, c'est un engagement à 10 heures. Ouais. Fait que là, faut que je me lève. Fait que là, je mets un cadran, puis tout. Mais tu sais, tu peux pas expliquer ça à du monde normal, là, comme il rit de toi, là. Mm.
Les autres sont pas venus se lever à 7h tous les matins, puis là, t'es comme, hier, c'était pas facile, mon cadran 9h45, je nous ai deux fois. J'étais pas kérède en arrivant à l'entrevue. Ils sont ça. Comme, je vais te péter la gueule, tu sais. Je me lève à 5h45 pour pogner le tunnel avec Farm. Excuse-moi, je savais pas. C'est comme, il n'y a pas de sympathie. Fait qu'on fait la révolution, mais en après-midi. En après-midi. Oui, okay. Oui. Hey, non, mais dans la nuit, ils sont tous couchés. Ouais. C'est ça. Ça exact, ça, ils ne savent pas. Les meetings, c'est un 5 à 7. Après ça, on parle des activités vers 9-10. Quand les feux de circulation flash, c'est là le temps de la révolution. Ouais. Quand il y a une panne d'électricité. Oui, ça serait okay. Un bon. Ça serait la un purge. Bon départ. La purge. La purge. La purge des riches. OK. Oui. Wouh! C'est là, c'est à soir. J'ai mon sac à dos. Je suis prête. C'est engageant de faire ouh, c'est un peu pas légal. Oh ouais, tout le monde a peur. C'est politique. Non, mais ça fait du bien. Okay. Faut se libérer. Ouais. Moi, plus de monde qui font ouh que de monde qui a des shitpages de shitpost. C'est peut-être même les mêmes. Ça serait pas. Ça pourrait être les mêmes. C'est-tu fini là ou j'ai. Faut, ou, non. Faire... Ok, non, mais. Il est tanné. Ça, c'était le cœur. Ce gars-là est plus si. Capable, est-ce que tu... J'ai collé mon Uber déjà, là. Mais non, là. Mais non. Non, mais c'est pas... Je voulais juste savoir si je partais dans d'autres choses. Ou... Oh oui, tu peux. Ben oui, ben OK. Oui. Il reste 15 minutes. Parfait. Je voulais vous parler d'une autre affaire, j'ai lu. 14 minutes 30. Je veux juste... Ça m'a juste décalisse. Non, non. J'ai un petit timer. Ça. Non, mais j'ai lu quelque chose à propos de l'identité de lieu. Parce okay. Que ça m'intéresse beaucoup, ça, l'identité, comme t'es qui, puis pourquoi, puis tu peux te changer ça, puis si tu changes, t'es-tu encore toi, puis qu'est-ce qui est toi, la chose que t'as changée ou celle que t'étais avant, c'est quoi le toi originel, c'est quoi le toi construit, c'est quoi le toi récent. Ouais, comme tout toi-même, c'est quoi? Toi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que t'es, ça va être toi, mais en même temps, non, fait que, t'sais, comme, fait que tout ça. Je trouve ça quand même vraiment intéressant, puis j'avais jamais entendu parler de ça, l'identité de lieu. Puis au début, j'étais un peu dubitatif. J'étais pas trop certain comme de quoi c'est quoi cette affaire-là, mais finalement, je trouve que ça a bien du sens. Puis là, d'ailleurs, regarde, tu vois, j'ai pris quelques extraits que je voulais juste vous lire pour qu'on puisse en parler après, OK? C'est des petits extraits. Ah ouais? Puis je pense que je veux juste setter ça up en disant que ça venait d'une étude faite sur des prisonniers qui sont d'ailleurs dépossédés un peu de leur lieu, fait voir qu'est-ce que ça changeait dans leur identité puis dans tout ça, fait que ça partait de ça un peu. Plus l'individu possède d'emprise sur un lieu, plus il peut se l'approprier. Il existe un mouvement récursif entre appropriation et identité. L'appropriation de l'espace participe à la construction de l'identité en même temps qu'elle en est un mode d'expression. Appropriation et identité conduisent un lien de possession et d'attachement du sujet à l'espace approprié, le sentiment d'habiter un lieu et d'en faire un chez-soi. Habiter s'inscrit dans la temporalité individuelle en étant le résultat d'un cheminement passé. Le lieu habité permet la projection dans le futur et la sensation d'être soi ici et maintenant. Habiter renvoie au sentiment d'être humain, car dans son sens le plus profond, il s'agit à la fois d'agir matériellement sur un espace par l'appropriation ainsi que de s'y sentir être et se construire. De même qu'habiter permet de se sentir humain, habiter permet de signifier à autrui son appartenance à l'espèce humaine. Déjà, c'est intéressant ça quand même. Mm-hmm. Ça continue. Au travail psychique d'élaboration de l'identité de lieu s'associe une dimension comportementale qui est l'appropriation de l'espace. Celle-ci renvoie aux modifications apportées à un espace pour que le sujet le fasse sien. Les pratiques d'appropriation d'un lieu sont culturellement ancrées et socialement définies. Il est normal de faire sien son espace de vie. Il existe un double mouvement d'appropriation pour soi, se sentir être en un lieu, et dans la construction du rapport à autrui. En personnalisant un espace, en y plaçant des objets qui reflètent son identité, l'individu met en œuvre une conduite socialement acquise qui signale à autrui l'étendue d'un espace à soi, en même temps qu'il exprime une part de son identité. C'est quand même intéressant. Puis là, c'est juste des extraits. Il parlait de plein d'affaires, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que Mené parlait du fait qu'on n'est pas la même personne partout. Tu sais, je suis pas le même Philippe au dépanneur que chez nous, évidemment, parce que je suis pas dans le même lieu. Puis il y en a un des deux qui est comme plus à moi, mettons. Ouais. Fait que quand tu es dans les lieux que tu connais et qui sont à toi, ton identité peut s'étendre un peu plus loin dedans. Puis c'est vrai que ça, on dirait que tu le ressens comme instinctivement. Mm-hmm. Tu sais, on dirait que l'identité, après ma base, c'est à l'intérieur de toi. Là, c'est comme c'est dans ton corps, c'est dans ta tête, c'est dans ce que tu ressens. Mais dans les faits, cette identité-là peut comme couler à l'extérieur de toi. Plus tu es à l'aise, puis chez vous, elle va aller jusqu'à s'exprimer par des objets sur les murs puis des représentations. Ça remarque bien ça. Il y a des années, je déménageais souvent.
Puis t'es toi dans un espace restreint, tu sais, ça beurre pas tant que ça parce que t'es toujours un peu tu viens nouveau dans, ouais. à chaque fois. Tandis que là, ça doit faire 5-6 ans que je suis là. Je suis, moi, beaucoup plus largement, tu sais, je vais me promener, je fais mes marches, je suis pas en train de regarder, tu sais, je me sens... Dans le fond, genre, mettons, tu crées une ambiance, fait que là, tu crées ton ambiance à toi, ton mood, ben, ta vibe. C'est ça, renvoyer ce que toi, les comment tu... qu'on fait dans une optique où on n'a pas d'argent, puis on n'a pas de chez soi et tout, pour avoir une identité plus large. Mais en même temps, je veux dire, qu'on... comme mettre un poster, dessiner, tu sais, juste prendre des décisions oui. telles que le meuble, il est là, la c'est ça. La couleur du mur, le meuble oui, est oui, là. Oui, c'est ça, mais ça t'as pas besoin d'acheter, genre, non, non, 300 000 piastres de stock chez Ikea, là. Non, mais ça peut être ça, une identité aussi. Il y a des gens que c'est oui. ça qui réfèrent. Puis t'es-tu obligé de posséder ce territoire-là absolument ou tu dois t'es le faire? T'es pas obligé de le posséder, je pense, parce que tu sais, tu peux avoir un sentiment d'identité chez toi, mais ça m'a fait me rendre compte que moi, j'avais rien sous mes murs depuis toujours. Ça, je m'en suis toujours crissé de ça. Comme, ouais. Tu sais, moi, mettons, j'habitais avec du monde puis c'était genre, ah, oh, faites ce que vous voulez. Tu veux peinturer rouge, je m'en sac. Moi, j'en ai pas de poster, je m'en crisse de tout ça. Puis je pense que ça, tu vois, c'est un sentiment d'identité de lieu qui m'a été un peu volé par l'emprisonnement, ouais. mettons. Ouais. Parce que c'était ça, le centre jeunesse. Il n'y a pas de décoration là, ouais, dans ta ouais. pièce. Tu n'as pas le droit, mettons. Il n'y a pas de poster, il n'y a rien. Non, tu ne peux pas identifier. Tu deviens ouais. comme un numéro. Puis ça, ouais. ça fait partie, d'ailleurs, de la technique de déshumanisation de l'emprisonnement. Uh-huh. C'est-à-dire, on ne laisse pas les gens emprisonnés décorer leur lieu. Des fois, il y a des prisons qui vont te laisser mettre quelques photos. Puis tu vois, d'ailleurs, certains vont le faire. Ouais, certains ouais. vont se faire un petit coin très... Puis tu vois, ça représente aussi ce besoin-là, mettons, de refléter ton identité. Tu vas mettre une couple de photos de gens que t'aimes, puis tout ça, puis tu vas regarder ça de proche, puis ça mm-hmm. va te faire du bien. Il y en a d'autres qui, au contraire, vont rien mettre. Mais ça m'a juste fait réaliser, comme là, tu vois, j'habite tout ce que j'habite depuis 3 ans, puis il n'y avait rien. Puis moi, c'est comme si je le vois pas, ben ça. Oui, puis là, je me promenais chez nous, puis j'étais comme, tabarnak, il n'y a rien ici. Ouais, ouais. Puis j'en ai des affaires, en plus, à mettre ses murs, mais genre, j'ai rapporté à la maison, puis j'ai mis ça à la table. Ouais. Puis ils sont tous là, puis ils traînent en dessous, puis ils sont en chaîne, puis tout. Puis là, je me suis dit, hey, je pense qu'il faut que je fasse ça. Habille tes murs. Faut que. Non, mais puis à travers différentes affaires, mais ça, entre autres, mettons, mettre des, ouais, mettre des trucs ouais. sur les murs, mais aussi peinturer, mettons. Ouais, pis, ouais, ouais. Ben, mettre des trucs qui sont pas juste utiles dans l'espace. Non, c'est ça, des trucs, parce que moi, je les aime, mettons. C'est ouais. pas juste cette lumière-là, elle est là, ben elle marche. Mais non, moi, comme c'est 100% même que je fonctionne, on dirait. La lumière, elle marche, il y a un divan, c'est tout que j'ai besoin, là. Vous en avez rien. Ben mais le câble TVA Sport 1, TVA Sport 2. Tu sais, ouais. Non, mais je veux dire, je suis plus dans le pratique de ce que j'ai besoin maintenant, ouais, puis ouais, pas ouais. dans le émotif de ce que j'ai ouais, de besoin. Ouais, 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 parce que ouais. c'est vrai qu'en même temps, ça doit être une fonctionnalité importante, mettons, de s'étendre dans son lieu d'habitation pour sentir que tu es reflété dedans. Fait que donc, ça fait aussi partie de ton identité. Ouais, 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 ben je sais oui. pas. Ben oui. Ou peut-être que je suis diogène aussi, puis juste, j'ai pas ben besoin. Moi, là, je suis dans l'appartement. J'ai juste un tonneau, puis c'est ça. Je me tombe dans un appartement, celui que j'ai le plus habité, mettons. Puis autant au niveau, comme tu dis, mettons, couvrir les murs ou de faire soit un espace. Et je me sens plus comme safe. Ma maison est claire dans ma tête. Tu sais, avant, c'était toujours bon. Comme des murs. Comme on dirait, je reviens chez nous, mais c'est comme chez... là, on dirait que je vois un. Je sais pas quoi, ça m'a donné un. Je sais pas, un retour au bercail plus clair. Tu sais, on dirait que je suis plus chez nous. Fait que mm-hmm. je me sens plus safe. Puis j'ai plus hâte de comme rentrer chez nous. Tu sais, c'est une place plus plaisante en partant. C'est sûr. Fait que c'est une bonne affaire, ça. Mais en tout cas, mais c'était super intéressant cet article-là. Tu vois, je trouve que c'est le fun parce qu'on dirait que j'aime ça. Des fois, tu comprends pas tout, là, ce qui est dit dans tout ça, là, c'est complexe quand même. Les gens qui font des études, des fois, de 23 ans, là, c'est une affaire grosse de même. Mm-hmm. Fait que des fois, t'as pas tout ce qu'il faut, mais tu retires quand même quelque chose. Puis tu vois, j'ai l'impression de un peu mieux comprendre c'est quoi l'identité, mettons. Mm-hmm. Ça m'a donné quelques outils. Pour, j'ai trouvé ça super le fun, fait que je me souviens plus, là, j'ai juste pris des screenshots. Mais je le posterai, je pense, dans quelque chose. Là. Dans l'Internet. Dans l'Internet. M'a le posté dans l'Internet. Dans l'Internet. Il était déjà là, mais en tout cas, on m'a le remettre. Puis tag dedans que c'est toi ouais. qui a screencap ça, fait que faites juste googler l'affaire que Philippe a dit. Oui. Puis ça va popper. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est drôle, mais ça revient souvent. Si tu te demandes souvent, t'es qui, toi, Philippe? Ben, Chris, je trouve que c'est une bonne question à poser non-stop. Mais tu sais, c'est ça. C'est qui comme suis-je? Les... Mais c'est comme les pages de shitpost. On est tous Philippe, Philippe. Ta-dun. Ta-dun-dun. C'est pour ça que ça va mal. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller, Philippe. Ça va bien aller, Philippe. C'est Miniki. Tout est cool. Oh non. C'est so scary. So scary. Non, mais je trouve que c'est important de se demander on est qui. Oui, c'est ça. Oui, oui. Tu te demandes pas ça, toi?
pas en me regardant de l'extérieur comme toi tu fais. Toi, tu t'analyses beaucoup. Moi, je suis plus comme... Ouais, non, moi aussi, je me regarde beaucoup aller. Ouais, non. Ouais, t'as raison. Tu cherches pas un sens à ce que tu fais ou ce que t'es périodiquement. J'ai comme décidé que le sens de tout ça, c'était juste le plaisir puis de juste vivre l'expérience. Tu vis comme un gland, toi, finalement? Non. Le sens de tout est le plaisir. Non, mais pas à tout prix, mettons, okay, mais okay, quand okay. même, j'essaie d'avoir du plaisir puis de vivre les expériences, en fait, ouais. De tout ce qui est devant moi. Puis d'essayer de... Le plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Le plaisir. Pour en allumer les feux. Pour les en feux. Allumer les feux, voilà. Non, de désir, de soupir. Le plaisir. Le plaisir, ouais. Pour quelques minutes de soupir, pour quelques... Quelques gouttes de plaisir, aïe, aïe. C'était, c'est raw. C'est raw. Comme ouais, parole. Ben, tu sais, coachante, c'est ça. Ben, ouais. Il va pas avec c'est le ça. Dos il est de dans, la c'était plume. Bon, c'était bon. Ah, ouais, ouais, c'est ah, ça. Ah, ouais, mais ça, c'est dans le temps des grands auteurs, là. Oui. Aujourd'hui, ben, écoute. On a ce qu'on a, hein. C'est ça. Ça veut dire, ça? Je sais pas. Il est très bons auteurs aujourd'hui. Ben oui. Non. C'est juste dans le temps qu'il y en avait avec des vieux monsieur avec des moustaches. Ah, ouais, ok, ouais. C'est eux autres les meilleurs. Ouais. Ils ont pensé à plein d'affaires. Pasteur, faut les lire. Mais ça, ça a l'air. Non, mais à ce temps, on a chat GPT, on est correct. On est safe. Enfin. Ça écrit bien, ça. Ben. Oui, ah, on a eu du fun l'autre fois à Sherbrooke avec. Oui, oui, oui. Qui risque. Oui. T'es-tu là? Ouais. Wow. Il était là à Sherbrooke. Vous êtes des stalkers. Cool. Ben ouais. Ouais. C'est eux. Non, mais. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Bon, oui, oh là là, hey, c'était là super là là estival. C'est très estival. Yeah, écoute, tu le trouves-tu, toi? Tout ce qui manquait, c'est la sangria et prochaine Patrice fois, Bélanger. Sangria. Ah oui? Oui, prochaine fois, on se fait un party sangria. Oh oui! Party la rouge, la blanche, oui, puis la bleue. Ah, je pense que j'ai jamais... La quoi? La bleue? La bleue. Bleue. C'est quoi? Ben oui, dans le fond, on la salsa. Oh. On se fait de la salsa. On t'a je veux aller. Party! Bon, ben là, j'aurais pas le choix d'amener une petite chemise d'été. Oui, on va s'amener une chemise d'été. Prochaine des fois, on se fait un party sangria. OK. Ça te tente? Ouais, ou un party barbecue. En dedans? T'avais peur avec la fondue. T'avais peur avec la fondue. Là, on parle de genre de propane. 70 personnes décédées. Ben oui. Le barbecue, tu me niaises. Et le survivant nous dit les saucisses, c'était pas pire. Toute une photo dans le Allo Police, là, tu sais. Ouais. Tu me niaises X. Ah, X. X, ouais. Puis bye, là. Bye. Mais non, on va essayer que ça fasse pas ça. Mais, non, mais... merci tout le monde pour ce retour au terminal. Oui. Très plaisant. Ben oui. J'ai bien apprécié. J'espère merci que pour vous les mauvaises bines. Oui, ouais, merci pour les mauvaises bines. Oui. Et ben c'est ça. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Okay. Thank you.